Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à notre troisième conférence du cycle de conférences-débats 2022-2023. C'est un cycle de conférences qu'on a mis en place depuis 2 ou 3 ans maintenant. La thématique de cette année, c'était vraiment le paysage, la biodiversité. Et en fait, c'est en lien avec notre politique de développement durable qu'on essaye de déployer. Donc, c'est un cycle de conférences qui s'intègre aussi à tout un panel d'autres animations qu'on essaye de mettre en place. Donc là, on l'a décliné, par exemple, avec les écoles et les centres de loisirs à travers un appel à projet autour de l'arbre. Les enfants ont pu s'appuyer notamment sur le manoir du Tour aussi, à travers l'exposition d'Olivier Marchesi, de photos des arbres dans la Hague. N'hésitez pas, si vous n'y êtes pas encore allé, à aller la découvrir. Vous y découvrirez notamment des arbres remarquables du Bois de Beaumont. Il y a aussi Monsieur Jacquet, propriétaire du Bois de Beaumont, qui organise des visites justement de ce bois. Si vous avez l'occasion aussi de vous y inscrire, c'est vraiment un espace assez remarquable. La première conférence qu'on a eue cette année, c'était Jean-Luc Cabri qui nous a raconter un peu l'historique du classement des sites et la création des paysages. La deuxième conférence de Monsieur Le Dantec nous a replongé vraiment là pour le coup dans l'histoire des jardins, comment la société s'est appropriée un peu le paysage en le construisant. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Monsieur Pierre-Henri Gouillon, professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle, qui va vraiment nous parler de biodiversité. Donc, si vous êtes si nombreux ce soir, c'est que je pense que c'est un thème qui vous intéresse. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend énormément, la biodiversité. On nous dit qu'elle s'effondre, mais déjà, c'est important tous ensemble de partager la même définition. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? Pourquoi c'est important de la protéger? Comment elle fonctionne? Et donc, c'est à toutes ces réponses qu'on va demander à Monsieur Pierre-Henri Gouillon, ici présent, de répondre. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus malgré ce beau temps. Et donc, je vais vous parler de biodiversité. Pour commencer, je vais faire un petit sondage. Qui est-ce qui connaît l'IPBES? Bon. Voilà. Et qui est-ce qui connaît le GIEC? Ah ben voilà. Vous voyez, il y a un petit problème. L'IPBES, c'est pareil que le GIEC, sauf que c'est pour la biodiversité. Et c'est totalement inconnu. C'est pas dans les radars, etc. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Alors, l'IPBES, ce n'est pas un joli nom, mais bon, ça veut dire International Panel for Biodiversity and Ecological Services. Donc, c'est le panel international pour la biodiversité et les services écosystémiques. D'ailleurs, le GIEC, en vrai, il ne s'appelle pas GIEC. Hein. Il s'appelle IPCC, International Panel for Climate Change. Donc, c'est la même base. C'est des agences de l'ONU, tous les deux. Et voilà, la biodiversité reste largement inconnue, bien que tout le monde en entende parler de façon à plus ou moins floue. Alors que le climat, on commence à connaître un peu ce qui se passe, quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous renseigner là-dessus. Je voudrais vous dire qu'il y a deux très grandes difficultés qui empêchent qu'on ait une vision correcte de la biodiversité et des problèmes qui se posent. On va aller voir toutes les deux. Mais je voudrais commencer par vous dire qu'il y a régulièrement des alertes qui sont lancées par les scientifiques sur ces questions. La dernière fois, on a été 15 000 quand même à signer une alerte sur ce sujet. Ça a été repris largement, c'était il y a 5-6 ans hein, dans le monde. C'était international, hein, mais ça a été bien repris dans le monde. Et cette alerte donc, à l'humanité, elle a été publiée par un groupe qui s'appelle l'Union des scientifiques concernés, en anglais Union of Concerned Scientists. Et c'était la deuxième notice qui a été publiée. Voilà, la première, eh ben, elle avait été publiée il y a longtemps, elle avait été publiée en 1992. Donc la plupart d'entre vous ne vont pas se souvenir de ce qui s'est passé en 1992. Mais en 1992, donc, cette première annonce avait été faite, elle a été faite à l'occasion du sommet de Rio. On a aussi appelé sommet de la Terre. C'était la première fois que
tous les États du monde entier se réunissaient pour discuter des problèmes écologiques de la planète. Et donc, à l'époque, cette union des scientifiques concernés avait publié cette première notice, et en fait, elle a été totalement invisible. Elle a provoqué aucun sursaut, elle avait été lancée par un prix Nobel. Pourtant, et c'est resté lettre morte. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'au même moment est parue une autre annonce qui s'appelait l'appel de Heidelberg, qui a eu beaucoup plus de succès parmi les scientifiques en particulier, 4000 signatures, dont plein de prix Nobel. Et ce texte-là, lui, il était très pervers. Il disait, oui, bien sûr, il y a des problèmes d'environnement, mais faut faire attention parce que les défenseurs de l'environnement sont animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. Notez bien cette phrase, elle est très très significative. Hein, les gens qui s'occupent d'environnement, ils ne sont pas rationnels, c'est le premier point. Et puis, ils sont contre le progrès. Donc voilà, si vous ne voulez pas de l'énergie nucléaire, puisqu'on est à la Hague, eh bien, vous aurez droit à la bougie et voilà, ainsi de suite. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que grâce à la publication des archives de l'industrie du tabac, c'est que cet appel de Heidelberg, il a été fabriqué par les communicants de l'industrie de l'amiante, dont le jeu était de cacher les effets de l'amiante sur la santé humaine et avec l'aide de l'industrie du tabac. Et on reviendra là-dessus, parce que c'est un point très important. C'est une des grosses difficultés dans ces domaines. C'est qu'il y a des gens dont le métier est d'essayer d'éviter qu'on comprenne ce qui se passe. On reviendra longuement là-dessus à la fin. Le texte de l'appel, si ça vous amuse, il est disponible sur le web. Et ça vaut la peine de le lire parce qu'il est très, très pervers. Et comme ça, si vous le lisez vite fait, vous avez l'impression que c'est bien. Et après, il faut regarder justement entre les lignes. À l'époque, la presse, en 92, avait repris, vous voyez, le Figaro, des scientifiques s'inquiètent du tout écologie. Libé était calé carrément, Rio, faut-il brûler les écologistes? Et le Monde avait été plus mesuré, Rio contre Heidelberg. Et donc, ces gens dont le métier est d'éviter qu'on comprenne ce qui se passe, maintenant, on les appelle des marchands de doute du fait du travail d'une sociologue et d'un sociologue américain qui ont fait un travail là-dessus. Je vous en reparlerai. Voilà, le dernier appel, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les 15 000 scientifiques, ça a été bien repris dans le monde. Il faut dire que la rubrique environnement, planète du monde est une rubrique remarquablement bien tenue, hein, grâce à quelques journalistes de très haut niveau. Mais immédiatement, évidemment, les marchands de doute se sont mis à l'œuvre. Alors, il y a déjà un site assez rigolo qui s'appelle Agriculture, Alimentation, Santé publique, Soyons rationnels. Alors, je vous préviens, quand il y a marqué rationnel dans un truc, méfiez-vous. Parce que les marchands de doute s'intitulent eux-mêmes systématiquement rationnels et, comme vous l'avez vu dans l'appel de Heidelberg, prétendent que les gens qui s'occupent d'environnement sont irrationnels. Et là, vous voyez, 15 000 scientifiques signent n'importe quoi. Alors, vous voyez le sous-titre d'ailleurs, hein, « Osons l'avenir pour nos enfants et nous ». Et 15 000 scientifiques signent n'importe quoi sur l'avenir de la planète. Voilà comment a été traité le texte en question. Et d'ailleurs, c'était qualifié dans la suite du site web de façon encore plus claire. Donc, en fait, on a un problème, effectivement, hein, c'est que la biodiversité et l'écologie apparaissent comme des ennemis du progrès. Hein. Et ça date de longtemps, hein, on va y revenir. Et les scientifiques, là-dedans, se laissent facilement embringuer dans cette vision du progrès contre l'écologie. Alors, la biodiversité, elle ne se porte pas bien, vous le savez tous. Bon, dans le milieu marin, il y a des tas de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas beaucoup. Et je voudrais vous dire que le problème de la nature opposée au progrès, ce n'est pas un problème récent. Le concept de progrès apparaît au XVIIIe siècle, au sens moderne du terme. Au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, il y avait encore des débats sur la querelle des anciens et des modernes. Qu'est-ce qui est mieux, les choses anciennes ou les choses nouvelles? Et il y avait des gens comme Montaigne, par exemple, qui avaient dit que les choses modernes étaient beaucoup plus dangereuses que les choses anciennes parce qu'on ne les connaissait pas, on ne connaissait pas encore tous les effets, alors que les choses anciennes, on avait eu le temps de gérer les problèmes. Mais à partir du 18e, le siècle des Lumières va rentrer dans une philosophie du progrès, un mythe, une mythologie du progrès où l'espèce humaine progresse, point barre, hein, ce qui est moderne est mieux que ce qui est ancien. Vous voyez, en 1933, l'Exposition internationale de Chicago titre Un siècle de progrès.
cycle de progrès, il faut le faire. On vient quand même d'inventer la Première Guerre mondiale, la première grande crise économique, etc. Mais n'empêche, un siècle de progrès, il n'y a pas de remise en cause. Il n'y avait pas de remise en cause jusqu'à récemment. En fait, ça a changé. Et moi, je suis prof depuis quelques dizaines d'années maintenant, et je donne chaque année des cours sur ces sujets à des étudiants divers et variés, incluant l'école polytechnique, l'agro, les universités. Sciences Po, et pendant des années, j'ai raconté cette histoire de progrès et j'ai dit aux étudiants que chaque génération, dans cette vision du progrès, chaque génération pensait que sa vie serait meilleure que celle de ses parents. C'était le cas pour ma génération, on n'avait aucun doute que notre vie serait meilleure que celle de nos parents. Et ça fait une dizaine d'années que les étudiants, quand je dis ça, tous lèvent la main pour me dire « Non, non, mais nous, on ne croit plus du tout ça, on croit le contraire, hein, que notre vie va être moins bien que celle de nos parents. » Donc il y a un vrai changement qui se passe dans nos sociétés à l'heure actuelle et cette idée de progrès maintenant, elle marche plus dans les jeunes générations. Mais elle marche encore très bien dans les milieux scientifiques. Hein. Ils sont toujours très très convaincus que le monde va aller mieux grâce à eux. Voilà. Je fais partie du milieu scientifique et c'est une de mes difficultés avec beaucoup de mes collègues. Voilà. Et dans ce cadre-là, évidemment, la nature, eh bien, c'est compliqué la nature. Alors, si on revient au XVIIIe siècle, bah Jean-Jacques Rousseau, par exemple, lui, il pensait que la nature était bonne et qu'au contraire, les humains la détérioraient. Hein. Il explique que la nature lui offre harmonie et proportion, alors que le genre humain ne lui offre que confusion et désordre. On avait au Jardin des Plantes, où je travaille maintenant, un directeur qui s'appelait Bernardin de Saint-Pierre, hein, qui a écrit Paul et Virginie, un livre dans lequel des enfants abandonnés vont être sauvés par la nature, qui est bonne avec eux. Et dans un livre scientifique, il explique à quel point la nature a tout fait pour qu'on soit bien. Il explique même que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille et que la citrouille est faite pour inviter les voisins. Donc, vous voyez vraiment, la nature fait tout ce qu'elle peut pour qu'on soit bien. Ça, c'est une vision de la nature un peu béate. Mais en même temps, toujours au XVIIIe siècle, le deuxième plus grand naturaliste du XVIIIe siècle, qui s'appelait Buffon, qui a dirigé le Jardin du Roi pendant une grande partie du XVIIIe siècle, Buffon, bon, c'était un grand naturaliste, mais c'était aussi un industriel. Hein. Il avait des forges à Montbard, près de Dijon. Et lui, alors, il déteste la nature. C'est un naturaliste qui déteste la nature, enfin, la nature sauvage. Alors, il écrit plusieurs pages là-dessus. Je vous ai mis quelques phrases pour que vous voyez, c'est quand même très violent. C'est la nature intouchée, la nature sauvage hein, que Buffon trouve mauvaise. Hein. Il dit, voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. La nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs, de la corruption. Là, ça, c'est pour le haut. Dans le bas, des eaux mortes et croupissantes ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Voilà. Et l'homme là-dedans, eh bien, l'homme dit « La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi qui peut la rendre agréable et vivante, desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourse superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consommer, mais qui n'y va pas avec le bout de la cuillère. Bientôt, au lieu du lujon, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains, qu'elle est belle, cette nature cultivée. » Il y a un ode à la destruction de la nature sauvage et à une modernité cultivée. Bon, vous vous doutez que Buffon, ce n'est pas mon auteur préféré. Donc, on va essayer de s'en débarrasser. Mais ça vous demande du travail d'enlever la statue, mais bon. Et dans ce cadre-là, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à la biodiversité. Donc, vous voyez, cette tension politique hein, qu'il y a autour de la biodiversité, je pense que tous les élus ont déjà rencontré ce type de problème. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais évidemment qu'on est toujours là-dedans. Après, le milieu du XVIIIe siècle à aujourd'hui, on parle moins bien français, mais en fait, les arguments restent un peu les mêmes. Alors, la biodiversité, quand on la présente, il est de bon ton de montrer des petites photos comme ça pour dire, regardez, c'est joli, il faut la conserver. Je déteste cette manière de porter la biodiversité pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, si on avait choisi d'autres espèces, le moustique-tigre, par exemple, tout le monde ne tient pas absolument à en avoir dans son jardin, mais surtout pas trop. Et puis, si on choisit d'autres bêtes, on va trouver que finalement, ce n'est pas si joli que ça. Je vais vous laisser regarder un peu, mais ce n'est pas si joli que ça, la biodiversité. Bon, déjà, ça, c'est un premier problème. Et puis, il y a un deuxième problème, bien plus grave encore,
c'est que ça présente la biodiversité comme une collection de timbres, une collection d'objets posés les uns à côté des autres, donc il s'agirait de conserver. Et ça, c'est une vision scientifiquement fausse, mais qui s'appuie sur notre culture. Et ça, je voudrais bien que vous compreniez ça. Nous sommes tous formatés pour ne pas comprendre la biodiversité par notre culture. Bon, on va pas remonter à l'Antiquité, mais le plus grand naturaliste du XVIIIe siècle, hein, il était suédois, il s'appelait Carl Linné, c'est lui qui a mis de l'ordre dans le fouillis de la biodiversité, proposé un système qui permettait d'organiser cette biodiversité, de la classer, et puis de nommer d'ailleurs les espèces. Et ce système, donc, eh bien, on travaille dessus depuis, et ça, la science qui produit ces systèmes s'appelle la systématique, c'est la science de la classification des êtres vivants. Et l'idée va donc regrouper les espèces en genre, en famille, en ordre, en classe, etc. Et donc ça, c'est en 1735. Hein. Et il va le faire sur une base théorique très claire. Toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance, de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Cette phrase contient beaucoup d'informations, hein. Premièrement, les créatures, c'est les espèces. L'espèce, c'est la base. Et ces espèces, elles sont éternelles. Aujourd'hui, ça paraît étonnant qu'on ait pu penser ça, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on était convaincu que les espèces étaient éternelles. Et elles sont immuables. Elles vont se multiplier dans les limites de leur propre type. C'est-à-dire que chaque espèce est dotée d'un type et on ne peut pas sortir de ce type quand on appartient à une espèce. Tout ça, ça se réfère évidemment à la genèse. Et la genèse, malheureusement, qu'on soit croyant ou pas, eh bien, on en a tous entendu parler, on a tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin, en gros. Hein. Et on a tous cette image d'un paradis perdu, si vous voulez, qui existe dans notre culture et qui, malheureusement, est un problème grave si on veut comprendre la biodiversité. Parce que la biodiversité, ce n'est pas un truc ancestral, c'est un truc qui s'est fabriqué progressivement sous l'action de l'évolution. Il faut attendre. Ils ont le milieu du 19e siècle. Donc, c'est à la fin du 18e siècle, début du 19e, qu'on comprend que les espèces peuvent s'éteindre. Ça, c'est Cuvier. Et puis, au milieu du 19e, on va comprendre que l'évolution a eu lieu, qu'elle se fait sous l'action de la sélection naturelle. La sélection naturelle qui a un processus qui peut avoir l'air simple comme ça, dire les individus se reproduisent et puis ceux qui réussissent, ils restent et ceux qui réussissent pas, ils disparaissent. Ça a l'air simple comme ça. Sauf que ça marche qu'à condition que vous ayez compris qu'un être vivant, ça a des particularités tout à fait spéciales, et que les individus vivants se reproduisent. On ne va pas dire qu'ils se reproduisent, on ne se reproduit jamais. Si vous avez des enfants, vous avez bien constaté que vous n'étiez pas reproduit. On produit autre chose que nous. Hein. Mais justement, les descendants dans le système vivant ressemblent à leurs parents, mais sont tous différents. Ça, c'est très particulier. Hein. Dans les cristaux aussi, ils se reproduisent, mais les descendants, ils sont pareils que les parents. Et donc, il y a une variation héritable et systématique qui existe dans le vivant. Et ça, c'est le premier principe sur lequel va s'appuyer Darwin, la sélection naturelle. Et puis, le deuxième principe qu'il va mettre en place pour comprendre la nature, c'est la divergence. Vous voyez là, un petit schéma. Voilà, c'est une page très, très suggestive donc, de ses cahiers de notes. Hein. Il écrit « je pense » en haut de la page et puis il dessine la première histoire des espèces que personne n'ait jamais dessinée à notre connaissance. Et il va appliquer ce schéma au poisson, par exemple, qu'il a découvert au Galapagos. Et il va reprendre tout ça dans un diagramme qui est la seule figure qui est dans le livre « L'origine des espèces ». Dans tous ses autres livres sont remarquablement illustrés. Dans « L'origine des espèces », il met un seul dessin. Et comme Darwin ne laissait rien au hasard, c'est certainement pas un hasard. Il pensait que ce dessin était tellement important qu'il ne fallait pas le spolier en mettant autre chose avec. Alors ce dessin, il n'est pas très sexy, j'avoue. Mais si je réussis mon coup, quand vous penserez à la biodiversité, vous penserez plus à ce dessin qu'aux petites photos de tout à l'heure. Alors, pourquoi? Bien parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, ce dessin. Alors le temps va de bas en haut et en couche comme ça, vous voyez. Ça, c'est parce que Darwin était un géologue au départ. Personne n'est parfait. Donc le temps va de bas en haut et discontinue en quelque sorte. Mais il y a une dimension horizontale qui est une dimension assez abstraite,
qui est ce que Darwin appelle la place de l'organisme dans l'économie de la nature. Aujourd'hui, on appelle ça niche écologique. Ces mots-là n'existaient pas à l'époque. Donc, plus deux points sont distants, plus ils sont différents écologiquement. Plus ils sont proches, plus ils sont semblables écologiquement. Et plus ils sont semblables écologiquement, plus ça veut dire qu'ils ont besoin des mêmes choses. Donc, plus ils sont en compétition les uns avec les autres. Alors, on va pas. Il commande ce dessin pendant 70 pages. Je vais vous faire un très, très rapide résumé. Hein. On va regarder juste ce qui se passe là. Vous avez la forme A qui est là au départ. Elle fabrique plusieurs choses. On l'a vu, la biologie, ça fabrique tout le temps des choses différentes, mais qui ressemblent aux parents. Donc, les descendants de A sont tous proches de A, mais un peu différents les uns des autres. Et comme ils sont proches, eh bien, ils rentrent en compétition les uns avec les autres et ils vont s'éliminer. Ceux qui souffrent le moins de la compétition, c'est ceux qui sont le plus sur les bords, parce qu'ils exploitent des niches écologiques plus libres, plus vides. Donc, ceux du milieu ont tendance à s'éteindre et ceux du bord ont tendance à se maintenir. Et on recommence, à chaque pas de temps, on recommence la même chose. Les trucs du milieu s'éteignent, les trucs du bord se maintiennent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout d'un certain temps, on voit qu'à partir d'une forme de départ, on en a fabriqué trois ici. Alors évidemment, selon le temps qu'il y a entre deux lignes horizontales, ben, ça c'est deux variétés différentes, c'est trois variétés différentes d'une même espèce, variété ou race. Hein. Si jamais il y a un peu plus de temps, bah ça, c'était des variétés, mais ça, c'était déjà une sous-espèce différente. Si vous mettez encore plus de temps, ça, c'est peut-être deux sous-espèces, et ça, c'est une autre espèce. Si vous mettez encore plus de temps, on a trois espèces. Si vous mettez encore plus de temps, bah là, vous avez un genre, et là, vous avez un autre genre. Donc, en fait, toute la diversité du monde vivant s'explique par ce schéma. Et évidemment, ce schéma, pour le comprendre, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les choses se font relativement progressivement. Et donc, si jamais j'ai deux lignées comme ça qui se séparent et qui deviennent suffisamment différentes, bah, au bout du compte, ça sera deux espèces différentes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un moment précis où c'est devenu deux espèces différentes. Il y a donc toute une zone de flou sur ce que c'est qu'une espèce. Si les espèces étaient des choses extrêmement bien définies, il n'y aurait pas moyen qu'il y ait évolution. Elles ne peuvent pas se fabriquer d'un coup comme ça. Donc, il faut se sortir de la tête cette idée que l'espèce... C'est un truc absolument bien défini. Et évidemment, ça va contre notre vision de la genèse, de la création. Et du coup, il faut se battre contre soi-même pour accepter cette idée que les espèces, ce n'est pas des choses bien définies. Alors, en plus, à l'école, pour compliquer encore les choses, on apprend que les espèces, c'est des trucs bien définis. On nous dit, voilà, une espèce, c'est un groupe d'individus qui se reproduisent entre eux, qui ne se reproduisent pas avec les autres. Et avec ça, on est content. Les profs sont contents. Ça, ça permet de faire passer des examens. Puis on a bon ou on a faux, ça c'est pratique. Seulement le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Les espèces, elles n'arrêtent pas de faire des trucs interdits. Bon, cela, ça donne sûrement rien. Enfin bon, je n'ai pas été regarder, moi je me souviens de la première fois où on a entendu parler d'hybrides entre les tigres et les lions, par exemple. C'était intéressant parce qu'on n'avait jamais vu ça, puis d'un coup, paf, des lions et des tigres se mettent à faire des petits ensemble. Et alors immédiatement, il y a eu une réaction théologique de toute la communauté scientifique qui a dit « Ah mais ces hybrides vont être stériles. Sainte espèce, priez pour nous. » Ah ben non, ils ne sont pas stériles. Hein. Ils peuvent être très 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 massifs, hein, les hybrides. Et on a la troisième génération maintenant, donc les lions et les tigres se croisent très bien. On s'en fout, c'est quand même des espèces différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce, hein, je vais vous le dire, c'est un rameau de l'arbre qui s'est suffisamment différencié des autres pour qu'on ait envie de lui donner un statut fort. C'est tout. Évidemment, vous voyez bien la part d'arbitraire qu'il y a là-dedans. Attention, ce qui est arbitraire, c'est de décider si c'est des espèces ou pas. Ce qui n'est pas arbitraire, c'est que ce rameau-là, il est différent de celui-là. Ça va, c'est clair, ça? Donc, il y a des rameaux différents, ça, c'est objectif. Après, à savoir à quel moment on appelle ça des espèces ou pas, ça, c'est nécessairement subjectif. Donc voilà, les lions, les tigres, les chevaux, les ânes, les zèbres, on arrive à les croiser aussi dans tous les sens. Hein. Les mulets, certains sont stériles, mais pas tous. Et donc, on arrive à faire des tas de trucs. Et puis, ceux-là, ils sont très mignons aussi. Ils peuvent faire un petit hybride très mignon. Et cet hybride, d'ailleurs, il est fertile. Et c'est intéressant parce que les ovins et les caprins, là, on est au-dessus du niveau du genre dans la classification. On est quand même assez loin et ça marche encore. Voilà, donc, alors ça c'est chez les animaux, je vous les montre parce que c'est ça qui choque le plus. Chez les plantes, alors là c'est le bazar, hein,
En gros, 95% des espèces de plantes se croisent avec au moins une autre espèce. C'est la règle. Alors, vous voyez, un arbre comme ça peut se croiser avec une. Ça, c'est des ficus. Ficus, hein, ça veut dire figuier. Hein. Il y a 1000 espèces de figuiers. Il y en a des grands, il y en a des comme ça, des misères là, qui pendent. Eh bien, on a croisé ces deux machins-là, ça donne un truc hybride qui ressemble à rien, mais en tout cas, ça marche. Voilà. Donc, pour comprendre la théorie de Darwin, la première chose qu'il faut faire, c'est se débarrasser de cette obsession de l'espèce comme une entité stable, hein, et bien définie. Et vous voyez que c'est embêtant parce que pour conserver la nature, ça serait vachement plus pratique si jamais chaque espèce était une unité vachement forte, etc. Hein. On va y revenir. Darwin s'est bien rendu compte que c'était un problème, ce que je suis en train de vous dire. Un an après la publication de l'Origine des espèces, il écrit, donc l'Origine des espèces 1859, hein, ça il écrit en 1860 à un ami dans une lettre, Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Je vais laisser en anglais pour vous dire que ce n'est pas moi qui invente le mot bigote. Hein. Vous voyez que Darwin est très clair, hein. La vision d'espèce, elle est religieuse et elle empêche de comprendre sa théorie. Et s'il revenait aujourd'hui, bientôt 200 ans après, eh bien, il serait bien déçu de voir à quel point ça n'a pas beaucoup changé. Alors ça amène à dire des tas de bêtises, ça. Hein. Par exemple, il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Ça, c'est indéniable. Hein. Les espèces sont définies par les systématiciens qui travaillent sur la définition des groupes, etc. Il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Alors moi, j'ai travaillé pas mal sur les plantes et un peu sur les insectes. Je peux vous dire une chose, c'est que les insectes et les plantes, ils n'ont pas du tout la même manière de gérer leur diversité. Les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ça fait une nouvelle espèce. Et souvent, il y a plein d'espèces d'insectes qui se ressemblent incroyablement. Alors que chez les plantes, la diversité reste beaucoup dans l'espèce. Les plantes ont beaucoup plus de mal à séparer des espèces différentes. Elles fabriquent des gros magmas avec plein de choses dedans. Dans une même espèce de plante, il peut y avoir des herbacées et des arbustes, etc. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup plus de diversité dans une espèce de plante que dans une espèce d'insecte. Le résultat, c'est que le fait qu'il y ait 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, ça ne vous dit pas qu'il y a 10 fois plus de biodiversité chez les insectes que chez les plantes. Ça ne veut pas du tout dire que la diversité, elle est chez les insectes. Ça veut juste dire que les insectes font des espèces très facilement, c'est tout. Et or, ça, c'est un truc qu'on n'arrête pas de dire. Parce qu'on compte les espèces comme si c'était des unités de diversité, mais elles n'ont jamais été ça. Mais évidemment, selon une vision biblique, là, chaque espèce serait une unité de diversité, bien sûr. Et on a toujours cette espèce d'arrière-fond de créationnisme, de fixisme dans notre culture. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les derniers mots de Darwin dans l'Origine des espèces, c'est voilà, tandis que notre planète obéissant à la loi fixe de la gravitation continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. Le mouvement évolutif, il n'est pas fini du tout, il est toujours en train de fonctionner. Donc on est dans un monde en évolution. Or ça, eh ben, c'est pas ce que tout le monde pense. Moi, j'ai vu souvent des gens qui croyaient parler d'évolution et qui, en fait, parlaient de création. Ils remplaçaient juste le mot créateur par le mot évolution. Oui. Les espèces ont été créées par. Alors, j'enlève créateur, je mets évolution à la place. Les espèces ont été créées par l'évolution. Ça, c'est une phrase créationniste, ça. Les espèces n'ont pas été créées, les espèces sont constamment produites et détruites par l'évolution. Si je veux comprendre la biodiversité, il faut que je comprenne que dans ce mouvement perpétuel que je vois ici, eh bien, les formes que je trouve aujourd'hui sont pas celles que je trouverai demain, et c'est pas celles qu'il y avait hier. Les choses sont tout le temps en train de changer, et les choses n'ont pas été produites, les choses sont constamment en train d'être produites et détruites par ce processus. Alors du coup là, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre de la biodiversité? Alors, un équilibre. Ça dépend de quel équilibre vous parlez. Si vous prenez un équilibre stable, un objet posé comme ça, celui-là, il est bien en équilibre, il tient bien, même si je le bouge, il va revenir à sa place. Ça, c'est un équilibre stable. La biodiversité, ça n'a rien à voir avec ça. La biodiversité, s'il y a un équilibre, alors c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire que constamment, des formes s'éteignent, des formes se maintiennent, ça produit une divergence, et cette divergence, eh bien, compense les extinctions. Et le résultat, c'est qu'il y a une biodiversité qui peut se maintenir,
globalement, elle ne se maintient pas telle qu'elle, mais elle peut se maintenir globalement. C'est ça qu'on appelle un équilibre dynamique. C'est la dynamique des extinctions, de la production de nouveautés et de divergences qui fait qu'il y a de la biodiversité. Et évidemment, cette dynamique, eh bien, elle va se maintenir que si jamais vous maintenez le mouvement. Un équilibre dynamique, ça ne se maintient que si ça continue à bouger. Un exemple typique, c'est un vélo. Un vélo, ça se maintient parce que, en équilibre, parce que ça bouge. Et si vous dites, oh là là, j'ai peur qu'il tombe, je l'arrête, c'est à ce moment-là qu'il tombe. Donc, prétendre qu'on va préserver un équilibre dynamique en l'empêchant de bouger, c'est faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les gens qui pensent qu'ils vont conserver la biodiversité en conservant chaque objet un par un, sont des gens qui n'ont pas compris ça. Un équilibre dynamique, autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui d'un satellite. Un satellite, il se maintient autour de la planète parce qu'il tourne, parce qu'il bouge. Et il y a une vitesse nécessaire à ce qu'il se maintienne. Et si jamais votre satellite ralentit, alors vous savez qu'il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Et je voudrais bien insister sur cette image-là, parce que, évidemment, au moment où il ralentit, si vous qui connaissez l'histoire, vous dites, eh ben, il va tomber. Mais des gens qui ne connaissent rien vont vous dire, bah non, regardez, il est toujours là, il tient. Et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer autre chose, c'est que s'il tombe, vous pouvez dire c'est la faute de la pesanteur. Bon, d'accord, mais avant, s'il tenait, c'était grâce à la pesanteur. Ce n'est pas la pesanteur elle-même qui fait tomber le satellite, c'est le fait qu'il y a eu un déséquilibre entre la pesanteur et sa vitesse de rotation. Dans la biodiversité, c'est la même chose. L'extinction, j'ai pas beaucoup assisté là-dessus, mais dans notre schéma là, l'extinction, elle est absolument nécessaire à la biodiversité. S'il n'y avait pas d'extinction, les lignées ne divergeraient pas. Vous auriez une espèce de magma qui se maintiendrait comme ça, en bloc. Le fait qu'il y ait des entités différenciées avec pas d'intermédiaires, ça vient du fait que les formes intermédiaires se sont éteintes. D'une certaine façon, l'extinction sculpte la biodiversité en créant des trous entre les lignées. Donc, je reprends l'expression sculpte, c'est un ami qui s'appelle Jean-Claude Amezen qui l'avait employé pour... Il avait fait un livre qui s'appelle « La sculpture du vivant ». Il parlait de la mort des cellules. Quand on est embryon, on a les doigts collés. Et il faut que les cellules meurent pour que nos doigts se séparent. Il disait donc que la mort cellulaire sculptait notre corps. Et bien, de la même façon que la mort cellulaire sculpte notre corps, l'extinction sculpte la biodiversité. Donc, ce n'est pas l'extinction elle-même qui fait que la biodiversité s'effondre. C'est le fait que cette extinction n'est plus compensée par le reste, c'est-à-dire que la vitesse, la dynamique du système n'est plus la bonne, et du coup, on rentre dans une dynamique d'effondrement. Et évidemment, si on attend trop longtemps comme ça, alors là, on va arriver à une chute finale qui va être très violente. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que la biodiversité est en train de s'effondrer? Vous ne voyez pas des espèces qui s'éteignent tous les jours autour de vous. Maintenant, les plus anciens savent qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils voyaient avant et qu'ils ne voient plus. Les oiseaux en particulier, etc. Les poissons dans la mer. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qui se passe sur la dynamique du système. La dynamique du système, elle contient la quantité d'individus, d'êtres vivants qui sont là. Et là, il y a deux résultats que je voudrais vous citer. 75% des insectes ont disparu en 27 ans dans les zones protégées européennes. 75% de la biomasse d'insectes a disparu en 27 ans. Là, vous voyez que ça, c'est mon satellite qui ralentit. Et effectivement, toute la dynamique du système est effectivement en train de se casser la figure du fait de ça. Ça a été repris dans toute la presse, ça a été repris dans tous les... Autre manip qui a permis de regarder aussi les insectes. Alors en Angleterre, cette fois, en regardant le nombre d'insectes qui s'écrasaient sur les plaques d'immatriculation, tout le monde en parle, et on a trouvé qu'on avait perdu 60% de nombre d'insectes entre 2004 et 2021. Ce coup-là, on est en 17 ans, 60% de diminution du nombre d'insectes. Donc en fait, vous voyez que c'est ça la décroissance de la dynamique de biodiversité, elle vient de là. Et donc, eh bien, tout ça a aussi été repris dans la presse. Alors, après, on peut regarder du coup quelles sont les abondances, et on constate que les abondances de la plupart des formes vivantes sont en train de diminuer. Et que, du coup, il y a de plus en plus de formes vivantes qui sont menacées de disparition, même s'ils n'ont pas encore complètement disparu. Vous avez ce genre de résultat-là, donc vous avez sûrement déjà entendu parler, les populations de poissons, les insectes, etc.
Et l'IPBES, donc, régulièrement, sort des rapports, hein, vous pouvez regarder sur le web si vous voulez, et ils vont vous donner la proportion d'espèces en danger, selon les différentes catégories, et puis les taux d'extinction qui sont en train de décoller. Ils ne sont pas encore énormes, mais ils sont en train de décoller. Mais moi, je peux vous dire qu'avec des baisses de biomasse comme celles qu'on voit, eh ben, ça va vers une chute très brutale. Il va se produire, je ne peux pas vous dire quand, puis ça dépend de ce qu'on fait, mais si on continue comme ça, je pense qu'encore quelques dizaines d'années, là, on va commencer à voir s'effondrer en masse le système. Donc oui, je vous montre ça, c'est tout ça, c'est dans les rapports de l'IPBES, hein, vous pourrez le trouver facilement. Les extinctions, le déclin, etc. Bon, je passe là-dessus. Dernière image que je voulais vous donner, notre corps est en équilibre dynamique, hein, je veux que vous compreniez bien cette histoire d'équilibre dynamique par rapport à l'équilibre statique, hein. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement, hein. On mange, on excrète, on respire, et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Si quelqu'un vous disait « je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo », bien sûr, vous ne seriez pas d'accord, et vous voyez où est le problème, hein, c'est que, justement, on conserverait votre forme, mais on ne conserverait pas votre dynamique. Les gens qui pensent qu'ils vont maintenir la biodiversité en la mettant au frigo font exactement cette erreur. Voilà. Bon, je veux dire un petit mot sur les problèmes de l'agriculture par rapport à tout ça. Je vais passer un peu vite, mais bon, l'agriculture, c'est un travail très dur. Ça a toujours été un travail très dur. Et on peut le présenter sous forme bucolique comme ça, mais les types qui sont couchés par terre, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils sont épuisés. Les mêmes gestes ont été repris depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, d'ailleurs, dans certains pays. Mais dans d'autres pays, on a mécanisé, modernisé l'agriculture et on est peut-être allé un tout petit peu trop loin. La mécanisation extrême, avec l'homogénéisation totale des cultures, fait qu'on a fabriqué des systèmes agricoles qui n'ont plus aucune diversité interne. Comment on fait pour cultiver sur des très grandes surfaces la même plante? Eh bien, il n'y a qu'une solution. On pourrait vous parler aussi des races animales, mais bon, on va rester sur les plantes. Il n'y a qu'une solution. L'évolution, vous savez, on ne sait pas prédire grand-chose en évolution, mais on peut prédire déjà que si jamais les effectifs s'effondrent, ben, on va avoir des extinctions. Et on peut prédire aussi que si jamais tout le monde est pareil, eh ben, il va y avoir des problèmes. Hein. Et si jamais vous cultivez sur de grandes surfaces les mêmes individus, eh bien, vous allez avoir des problèmes sanitaires. C'est pas grave, on sait comment faire, il suffit de mettre de la chimie dans le système. Ah, je suis planté. Est-ce que ça... Ah oui. Voilà, donc il suffit de mettre des pesticides. Le problème, c'est que plus ça va, à force de mettre des pesticides, plus les formes, plus les pestes, comme on dit, deviennent résistantes, plus il faut augmenter la quantité de pesticides. Et donc, on se met à mettre des quantités de plus en plus impressionnantes de pesticides sur toutes les cultures. Ça a permis à des géants de la chimie de se développer, comme Monsanto, je passe. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, vous voyez, ça, c'est des avions en train d'épandre un produit Monsanto sur des champs. Simplement, ce n'est pas de l'agriculture, ça, c'est de la guerre. En réalité, la chimie de guerre et la chimie agricole ont la même origine. Et ça, donc, c'est des défoliants qui étaient employés, l'agent orange, pendant la guerre du Vietnam, et qui a donné des résultats atroce sur les enfants qui étaient nés après avoir été exposés à ça, et on n'a toujours pas pu condamner cette société pour crime de guerre. C'est pas grave, elle a fusionné avec Bayer, qui lui avait fabriqué les gaz qui servaient à gazer les gens dans les camps. Donc on a deux grands criminels de guerre qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, et qui nous fabriquent un monstre. Alors, en Amérique du Sud, par exemple, on en est à à une centaine de millions d'hectares du même soja. Et je peux vous dire que pour le maintenir, ce soja, eh bien, il faut en mettre un paquet de pesticides dessus. Du Roundup, évidemment, mais plein d'autres choses. Alors, on va vous raconter que c'est pour nourrir la planète. Cette expression a été inventée par une boîte de com' en 1998, quand les boîtes sentaient qu'elles avaient des problèmes, qu'elles ont fait un concours pour trouver le meilleur slogan. Si ça vous intéresse, on en discutera. Évidemment que ce n'est pas la meilleure manière de nourrir la planète. Je veux juste vous dire aussi qu'évidemment, aujourd'hui, avec les OGM, on brevette des génomes et du coup, ça permet aux grosses entreprises de s'approprier les ressources génétiques de la planète, hein, actuellement. Alors ça, c'est des études qu'on a faites, nous, dans mon labo. C'était pour regarder à quelle distance, vous voyez, on prend des maïs bleus, ça, c'est des maïs traditionnels mexicains, on sème un champ de maïs bleu, puis on regarde à quelle distance on retrouve les grains bleus dans les champs autour, et on trouve que, en fait, le pollen, il fait des kilomètres.
Donc, il ne faut pas croire, mais si jamais vous mettez des jets de breveté quelque part, ben, les voisins vont être contaminés. Je passe là-dessus. Et si jamais, hein, et si jamais ils sont contaminés, ben, ce qui arrivait à ce monsieur, c'est qu'il avait des graines contaminées dans ses champs de colza. Lui, il ressemait ses propres colzas. Mais comme ses voisins cultivaient du Monsanto, eh ben, on a retrouvé les gènes de Monsanto dans ses graines à lui, évidemment. Les pollens des voisins, ils venaient chez lui. Il a été condamné, il n'a plus le droit. Bon, il est mort maintenant, mais il a perdu le droit de ressemer ses propres semences. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Hein. Il y a une guerre des semences qui se produit actuellement. Les entreprises sont en train de faire la guerre pour s'approprier les ressources génétiques. Et évidemment, ces entreprises, concentrant toute la propriété des semences dans quelques entreprises, sont en train de faire que les ressources génétiques s'effondrent. Alors, je déteste le mot érosion, hein, érosion de la biodiversité, érosion des ressources génétiques. Pourquoi j'aime pas le mot érosion? Bah, parce que qu'est-ce que c'est qui s'érode? C'est une falaise. Une falaise, c'est un truc stable. La diversité, les ressources génétiques, c'est pas des trucs stables comme ça. C'est de la dynamique. Donc, vous avez un effondrement de la dynamique de la biodiversité. Vous inquiétez pas, pour ce qui concerne les plantes cultivées, on a trouvé la solution, vous la connaissez peut-être. On est en train d'accumuler toutes les graines possibles de plantes cultivées dans un grand frigo souterrain au Svalbard, en Norvège. Bon, ça va, je vous ai déjà assez dit ce que je pensais des frigos pour garder la biodiversité. Là, c'est encore pire. Alors, premièrement, ce n'est pas vraiment un frigo, hein, c'est juste qu'il fait froid. Mais avec le réchauffement climatique, ça commence à fondre. Donc, on a les graines qui commencent à prendre de la flotte de temps en temps. De toute façon, sachez une chose, des graines dans un frigo, au bout de 10 ans, ça commence à plus vouloir germer. Donc, normalement, il faudrait toutes les ressortir, les refaire germer, les faire repousser, etc., les ressemer. C'est ce qu'on fait dans les vraies banques de graines. Là, on ne fait pas ça. Donc, en fait, on est en train de fabriquer un cimetière de graines mortes souterrain. C'est, vous me direz, c'est une drôle de manière à garder la biodiversité, mais à qui ça peut servir des graines mortes? Ce n'est pas une banque de graines, en vrai, c'est une banque d'ADN. C'est les boîtes de biotech qui pourront se servir de ça. Si jamais vraiment un jour il y a un gros pépin, elles pourront éventuellement aller chercher l'ADN. Bon, je passe. Voilà, on a fabriqué un système agricole depuis une centaine d'années. Bon, le schéma de Darwin que je vous ai montré, il a marché du néolithique, hein, pendant 10 000 ans, du néolithique jusqu'au milieu du XXe siècle. Les paysans, en reproduisant leurs semences, ont créé de la diversité, puisque chacun sélectionnait à sa manière, avec ses propres critères, dans son environnement. Et donc, on a fabriqué plein de diversité dans les plantes cultivées. Au milieu du XXe siècle, on a arrêté tout ça. On a cassé la machine, on a décidé qu'il y avait seulement les semenciers qui produiraient des semences, et que les agriculteurs, eh bien, ils cultiveraient ces semences et qu'ils ne les reproduiraient pas. Du coup, tout le système de production de diversité des semences cultivées a disparu. Et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre en place des trucs comme ça. Parce que c'est quand même incroyable de dire on va garder la diversité des plantes cultivées en les mettant dans un frigo. Comme si c'était un truc qui avait été créé par la genèse, ça aussi. Mais la diversité des plantes cultivées, elle a été fabriquée par l'agriculture. Donc il suffirait de remettre en œuvre des processus agricoles qui fabriquent de la diversité pour qu'elle se refabrique toute seule. Juste, c'est beaucoup plus simple de. Enfin, on croit que c'est beaucoup plus simple de continuer à faire comme avant et puis de mettre les ressources au frigo. Donc, je passe là-dessus. Je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui s'occupent de biodiversité chez les plantes cultivées. Il y a des gens qui, des semences paysannes, donc qui refabriquent, qui mettent en place, avec des chercheuses, ces chercheuses de l'INRA, qui travaillent sur la manière de produire de la diversité dans les champs, ça existe. C'est des recherches qui se font avec les paysans. Et voilà, on peut dire que l'agriculture de demain, après avoir perdu la diversité pendant une mauvaise période qui est la nôtre, eh bien, elle refabriquera de la diversité le jour où on aura compris que c'est nécessaire et on remettra en œuvre ce processus dans les champs. Voilà. Vous voyez que la biodiversité. Alors, donc la biodiversité dans les champs, elle n'existe plus et elle est remplacée par des pesticides. Hein? Maintenant, le problème, c'est que ces pesticides, ils posent des problèmes à la biodiversité, pas seulement dans les champs. Et là, on a un problème avec les scientifiques, avec les fameux marchands de doutes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je suis obligé de faire une petite digression. Les marchands de doutes, en fait, ça a été décrit dans un livre de 1994. C'est un prof de relations publiques qui a écrit ce livre, et à la gloire des relations publiques, et il montre comme exemple à quel point les relations publiques, c'est important pour les entreprises. Et il décrit une scène extraordinaire qui se passe le 15 décembre 1953. Là, ça commence à plus être tout jeune. Hein. Dans l'hôtel Plaza à New York, les grands cigarettiers américains rencontrent le grand patron des relations publiques américaines qui s'appelle John Quinn.
Et John Field leur explique que si jamais ils se contentent de dire que ce n'est pas la faute du tabac, s'il y a des gens qui ont le cancer du poumon, ça ne va pas marcher. Que ce qu'il faut à la place, c'est créer une controverse scientifique majeure. Voilà. Et du coup, eh bien, les relations publiques vont évoluer. Je ne sais pas si on forme encore des relations publiques, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce qu'on forme, c'est des ingénieurs sociaux. Il y a des masters d'ingénierie sociale. C'est génial, ça. Hein, l'ingénierie sociale, ça veut dire que vous formez des gens à travailler comme des ingénieurs sur la société pour que la société fasse ce que veut votre employeur. Moi, je trouve que ça devrait être interdit, mais bon, ça existe. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, donc, ces ingénieurs sociaux à partir de ce moment-là? Ils vont devenir des marchands de doute. Ils vont créer du doute sur le rôle du tabac hein, dans le cancer du poumon. Et ils vont avoir pour but de dire qu'on ne peut pas conclure tant qu'il n'y a pas eu de nouvelles recherches qui ont été faites. Donc, voilà. En gros, l'idée, ça va être de dire le cancer du poumon, c'est multifactoriel. Évidemment que c'est vrai que c'est multifactoriel, le cancer du poumon. Pour le traiter, il faut comprendre les causes et donc il faut plus de recherches. Une fois que vous avez fait admettre ça, vous avez gagné. Parce qu'on va attendre que les recherches aient donné des résultats avant d'agir. Donc voilà, il faut plus laisser avoir un discours-là. Bien sûr que c'est multifactoriel. Maintenant, s'il y a un facteur qui est beaucoup plus important que les autres, ben, il faut le dire. Et le jeu des marchands de doute, ça va être d'empêcher qu'on voit qu'il y a un facteur plus important que les autres. Donc l'histoire du tabac, elle a été très bien étudiée par plusieurs historiens, dont le principal s'appelle Proctor. Hein, tout ça a été repris dans le monde par Stéphane Foucault. Un des trucs que j'ai trouvé incroyable quand on lit ces travaux-là, c'est un rapport qui a été publié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en anglais s'appelle WHO, World Health Organization. Et dans ce rapport, il montre comment l'industrie du tabac les a empêchés de travailler pendant tout ce temps-là. C'est publié en 2000, ça faisait 50 ans. Et quand on regarde simplement la table des matières, hein, ils disent comment les consultants de l'OMS ont été payés, comment on a introduit des gens dans l'OMS, comment on a payé des anciens de l'OMS pour jouer contre l'OMS, comment on a pris les moyens de l'OMS et on les a détournés pour qu'ils n'aillent pas à l'OMS, comment on a utilisé d'autres agences de l'ONU contre l'OMS. Et les agences de l'ONU, c'est la FAO, c'est-à-dire l'agence de l'ONU qui s'occupe d'agriculture, hein. La Banque mondiale, vous voyez que c'est écrit dans un rapport officiel que la Banque mondiale, etc., a servi les marchands de tabac contre l'OMS. Tout ça est publié. Voilà. Et puis évidemment, il y a après tout ce qui est disqualifier tous les chercheurs qui ne disent pas ce qu'on veut, hein, et puis fabriquer des fausses recherches qui vont envoyer les gens dans la mauvaise direction. Et tout ça, encore une fois, ça a été très bien décrit dans le monde, et ça va être fait avec la complicité de très grands scientifiques. C'est là que ça devient très curieux. Voilà. Ivar Gevers, c'était un prix Nobel qui a travaillé avec Philippe Morris dans ce cadre-là pour montrer que ce n'était pas le tabac qui était responsable du cancer du poumon. Fred Singer, c'était un très grand physicien et il a beaucoup œuvré pour dire que la tabagie passive, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, une fois qu'il a eu perdu sur ce terrain-là, il est passé au climato-scepticisme. Lui, Seitz, c'était le président de l'Académie des sciences américaines et c'était des très grandes pointures. Comment de si grands scientifiques peuvent-ils en arriver à faire des choses pareilles? C'est tout le travail de Reskes et Conway dans Les Marchands de doute, c'est de comprendre pourquoi. Et en réalité, il faut comprendre que si ces scientifiques ont fait ça, bien sûr, ils touchaient de l'argent, bon, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vous assure, je connais bien les scientifiques, ils sont prêts à beaucoup pour avoir de l'argent, surtout pour leur labo, mais il faut quand même qu'ils aient l'impression de faire quelque chose de pas trop mal. Mais le truc, c'est qu'on peut les convaincre que ce qu'ils faisaient était bien. Parce que, justement, ils combattaient les anti-progrès. Parce que les écologistes, c'est des gens qui s'opposent au progrès scientifique et industriel. Parce que, en plus, l'écologie, ça demande une emprise de l'État sur les entreprises. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne laisse plus la libre entreprise fonctionner. Donc tout ça, c'était très, très opposé à leurs idées. Et d'ailleurs, hein, il y a une phrase bien connue dans ces milieux-là, c'est que les écologistes, c'est comme les pastèques. C'est vert dehors et rouge dedans. C'est-à-dire que c'est les communistes larvés, les écologistes. Et donc, effectivement, il ne faut pas les laisser faire. Voilà, donc, les marchands de doute hein, créent des tas de fondations fondées sur la prétendue rationalité qui vont contrer
tous les gens qui disent que ce qu'ils font, qui se fait, n'est pas bien. Le tabac, la guerre du tabac va être perdue progressivement au début du XXIe siècle, et ces fondations vont se reconvertir dans le climato-scepticisme. Hein, donc, ils vont créer des tas de think tanks, etc., qui vont se mettre à dire, à contrer tout ce qui se dit là-dedans. Quand Obama a été élu, il dit que l'un des plus grands challenges pour l'Amérique, c'était de combattre les effets du réchauffement climatique. Immédiatement, il y a eu des centaines de scientifiques qui ont signé un texte disant « Monsieur le Président, avec tout notre respect, ceci n'est pas vrai ». Et si vous regardez, je n'ai pas regardé plus récemment que ça, mais le principal think tank sur le climat en 2019 disait encore qu'il était sceptique sur le fait que ce soit les humains qui causent la crise climatique. Il n'y a plus aucun doute chez les scientifiques là-dessus. Mais les think tanks en question sont des think tanks de marchands de doute qui sont là pour semer le doute sur ces questions. Tout ça a été étudié en détail donc, par les journalistes du Monde, Stéphane Aurel, et Stéphane Foucault, il y a quand même, il commence à y avoir des films sur comment fonctionne le système qui nous permet de ne pas voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu Don't Look Up, qui est un film qui prend une espèce d'allégorie de ce qu'on fait sur le changement climatique en regardant ailleurs. Il y a eu en France un film absolument extraordinaire qui s'appelle Goliath. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous le conseille vraiment. Il passe plus en salle, mais il est disponible en DVD. Et c'est un film sur les marchands de doute, hein, sur les marchands de doute liés aux pesticides. Ce dont on va parler à partir de maintenant. Pierre Ninet joue le rôle d'un marchand de doute. Il est parfait. Il arrive même à avoir l'air sympathique. Et donc, tous ces marchands de doute, comme je vous le disais, se réclament toujours de la rationalité. Il y a un livre qui reprend très bien toutes ces histoires en français sur les marchands de doute français, qui est écrit par Stéphane Foucard, donc Stéphane Aurel du Monde, et puis Sylvain Laurens, qui est un historien spécialiste du mouvement du mouvement rationaliste français, qui montre comment le mouvement rationaliste français s'est fait piéger dans ces histoires de marchands de doute. Bon, je vous ai parlé des sites en question, de ce site-là déjà. Donc, toujours soyons rationnels. Eh bien, ces sites ne vont pas arrêter de dire que les pesticides ne posent pas de problème. Pesticides, opération désintox, ça c'est pour montrer que ce n'est pas vrai. Et il y a un autre site bien toxique aussi, qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Vous voyez, ça fait classe, hein. Et qui vont se moquer des pseudo-sciences. Et les pseudo-sciences, au départ, c'était l'astrologie. Et puis, progressivement, maintenant, c'est aussi tous les écolos qui sont des pseudo-sciences. La vraie science, elle dit qu'il n'y a pas de problème d'environnement. Il y a des pesticides dans les muesli, ce n'est pas vrai. Le cancer du sein, ça n'a rien à voir avec l'environnement, etc., etc. Ces sites sont constamment en train de désinformer sur ces questions. Donc, vous avez bien compris que l'ingénierie sociale, le jeu consiste à dire que le cancer du poumon a des causes multifactorielles, que pour le comprendre, il faut plus de recherche. J'insiste, c'est vrai que c'est multifactoriel. Et quand on dit à des chercheurs c'est multifactoriel, en fait, ils sont contents. Ils aiment bien qu'on dise que ce qu'ils font, c'est complexe. Vous voyez, si on dit bah, c'est simple, en fait, truc. Bah, non. Nous, on est des scientifiques, on est dans le complexe. Donc, ça convainc facilement les scientifiques, ça. Évidemment, donc, on va dire la même chose sur la biodiversité. La biodiversité, ça s'effondre. Pourquoi? Bah, c'est multifactoriel. Hein. Donc, il faut plus de recherche. Et voilà, là, tout le monde est d'accord, là. D'ailleurs, tiens, on va prendre un cas encore plus simple, les abeilles. Pourquoi les colonies d'abeilles s'effondrent-elles? Eh bien, c'est dû à des causes multifactorielles. Bon. Alors, concernant la biodiversité, il y a eu un livre paru en 65, qui a été un livre vraiment incroyable, hein, qui a été écrit par Rachel Carson, qui s'appelait « Le printemps silencieux », dans lequel elle prédisait que le nombre d'oiseaux allait diminuer façon drastique et qu'on n'allait plus avoir de champs d'oiseaux au printemps. Évidemment, elle a été attaquée, elle a été traitée de fanatique et de communiste. Hein. Grande presse. Ça a été repris récemment donc, par un Anglais qui s'appelle Dave Goulson, qui a écrit Silent Earth, donc la Terre silencieuse. Vous voyez que le mot silencieux, depuis Rachel Carson, après le printemps silencieux, c'est la Terre silencieuse. Et puis, Stéphane Foucard a écrit un livre qui s'appelle Et le monde devint silencieux. Donc, on est toujours dans le silence, hein. Le silence de la biodiversité. Et ce livre-là, il est sur les abeilles, justement. Et à partir des abeilles, on va pouvoir revenir à l'ensemble. Les abeilles s'effondrent, il y a un truc qui s'appelle le Colony Collapse Disorder. Alors, je suis désolé, tous les trucs scientifiques sont en anglais, hein. On ne parle que anglais dans mon métier, bon. Sauf quand on parle à vous, mais du coup. Et donc, effectivement, les colonies d'abeilles s'effondrent, hein. Il y a jusqu'à 90% des colonies d'abeilles qui se cassent la figure dans certaines régions.
La production d'amandes aux États-Unis, par exemple, n'est plus faite que par le fait qu'on amène les abeilles dans les champs d'amandes, mais après, elles crèvent toutes, hein, il faut en ramener chaque année. Je croyais que c'était que américain, mais récemment, je suis allé dans le Rouergue. Donc, c'est une petite région préservée du Massif central. J'ai rencontré un apiculteur qui m'a raconté qu'en fait, maintenant, il gagne plus d'argent avec ses abeilles qu'avec son miel. Et tous les ans, il emmène ses ruches dans la grande plaine de l'Aquitaine pendant 2 mois, le temps de féconder les plantes. Et puis, il les ramène au bout de 2 mois, il n'en reste plus qu'un quart. Et puis, il les retape dans le rouergue. Et puis, tous les ans, il les renvoie et ça lui rapporte plus que son miel. Donc, on en est déjà là. Hein. Bon, vous savez qu'il y a des endroits en Chine où ils pollinisent des arbres fruitiers à la main avec des petits plumeaux. Ça marche tant que les Chinois sont suffisamment mal payés. Ça ne marchera pas très longtemps. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il y a Google qui est en train de fabriquer des drones. Et Monsanto, d'ailleurs, sont en train de fabriquer des drones, hein, d'abeilles. Hein. Il y a des polémiques sur la raison pour laquelle les abeilles s'effondrent. Hein, mais ce qui est, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est multifactoriel. Hein, et qu'il y a un rôle central d'un acarien qui s'appelle Varroa destructeur. Donc, si vous regardez le site américain de l'Agence de l'environnement, il y a beaucoup de théories. Premièrement, le varroa, c'est une. Bon, on verra ce que c'est après tout à l'heure. Un virus paralysant, un parasite intestinal. Il y a les pesticides, mais alors les pesticides qui sont appliqués sur les champs, mais aussi les pesticides qui sont appliqués contre le varroa. Donc, c'est ces cons d'apiculteurs qui, en mettant des trucs contre le varroa, tuent leurs abeilles. Et puis, le stress dû à des pratiques de management, ça, c'est encore les apiculteurs qui ne savent pas travailler. Et puis des changements d'habitat, et puis des pauvres nutritions, la nutrition pauvre, et une combinaison de tous ces facteurs. Vous voyez qu'on ne peut pas faire plus multifactoriel. Les abeilles s'effondrent pour des raisons multifactorielles. Alors le varroa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite tique qui se fixe sur l'abeille, vous voyez comme ça, et qui va lui sucer son hémolymphe, et qui en plus lui transmet des maladies, comme les tiques nous transmettent la maladie de Lyme. Le frelon asiatique, on a tous entendu parler. Bon, les autres, le virus, alors les parasites. Les virus, etc., ils sont transmis par le varroa. Hein. Et tout ça fait que les abeilles, ça n'explique pas tellement pourquoi les abeilles, les colonies d'abeilles s'effondrent d'un coup en revanche. Hein. Ça reste un peu mystérieux. Et puis, ça arrive que depuis quelques dizaines d'années, le varroa, il existe depuis longtemps. Alors, comment ça se fait que depuis quelques dizaines d'années, les abeilles s'effondrent? Et puis, en plus, c'est quand même curieux parce que les abeilles s'effondrent depuis quelques dizaines d'années. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est tous les insectes qui sont en train de disparaître depuis, on a perdu 75% de la biomasse d'insectes depuis 27 ans, là. Alors, les abeilles, c'est pour leur raison à elles, et les autres, c'est pour d'autres raisons. C'est quand même très curieux. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis une trentaine d'années dans notre environnement? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il y a de nouveau. On a trouvé des nouveaux pesticides extraordinairement efficaces. Et non seulement ils sont incroyablement efficaces, mais en plus, on en met beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Avant, on mettait un pesticide quand il y avait une attaque. Si les pucerons attaquaient, ben, je mettais du pesticide. Voilà. Maintenant, ce n'est plus comme ça qu'on fait. On enrobe les graines avec les pesticides. Vous voyez, ça en haut, c'est du maïs. Eh bien, vous ne verrez jamais semer du maïs comme ça, sauf chez les bio. Ce que vous allez voir semer, c'est celui qui est en bas, là. Du maïs enrobé. Ça, c'est du blé enrobé. Ça, c'est de la graine de betterave enrobée. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'enrobage? Il y a des pesticides. Tous les ans, tous les champs de grandes cultures sont semés avec des enrobages de pesticides sur chaque graine. La plante, quand elle germe, elle va absorber quelque chose comme 5% de ce qu'il y a dans l'enrobage et 95% partent dans l'environnement. Puis quand la plante mourra, elle en larguera encore pas mal. Ces produits sont tellement efficaces, hein, les néonicotinoïdes, par exemple, quand la plante germe, elle s'imbibe d'un petit peu de néonicotinoïdes, ça la protégera toute sa vie contre les insectes. Quand un insecte la piquera, l'insecte va mourir. Les néonicotinoïdes, ça tue au nanogramme. Et il y en a partout. Donc, évidemment, on pourrait se dire que la raison numéro un pour laquelle les abeilles se cassent la figure, c'est les insecticides. Comment ça se fait qu'on ne le sache pas? Premièrement, il y a des programmes de recherche. Ça, c'est le Guardian, donc un journal anglais qui a mis en évidence un truc vraiment rigolo. Une université anglaise a lancé un programme sur pourquoi les abeilles s'éteignent. Il y avait toute la liste de toutes les causes possibles. Il en manquait juste une, les pesticides. Et quand il a regardé qui finançait la recherche, il a trouvé que Syngenta donnait 10% de l'argent. Tout le reste venait de l'État. Mais en mettant juste 10% de l'argent, Syngenta a réussi à faire enlever les pesticides des causes de disparition des abeilles. Autre exemple, la Société américaine d'entomologie. Oui, les entomologistes, c'est les gens qui aiment les insectes. Qui les mettent dans des petites boîtes et tout ça, mais ils les aiment. Et sur leur site, il y a marqué, le plus troublant avec les insectes, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est curieux qu'ils ne se doutent pas quand même que les pesticides, ça tue les insectes. Mais si vous regardez qui est-ce qui finance la Société américaine d'entomologie, vous allez à la fin du site web
Ah, c'est Bayer, Corteva, BASF, Johnson et Syngenta. Ben voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Il y a quand même des chercheurs qui font du travail sérieux, hein. Parce qu'on disait que les abeilles n'étaient pas tuées par les néonicotinoïdes. Comment on faisait? Ben, on mettait un petit peu de néonicotinoïdes sur une abeille et on voyait qu'elle ne mourait pas. Donc, mais les apiculteurs, ils n'arrêtaient pas de dire, nous, on sait que c'est quand on met des néonicotinoïdes que nos abeilles crèvent. Alors, il y a un chercheur qui a cherché à voir ce qui se passait, non pas dans le labo, mais dehors. Quand vous mettez des néonicotinoïdes sur une abeille, c'est vrai que ça ne la tue pas tout de suite, mais ça la tue, ça la désoriente. Elle ne retrouve pas la ruche. Oui, dans le labo, on ne voit rien, mais dehors, ce qu'on voit, c'est que la belle abeille, ne pas retrouver la ruche, ça veut dire être morte pour une abeille. Et vous voyez, le problème, c'est qu'actuellement, les tests de toxicité qu'on fait, c'est exclusivement des tests de toxicité qu'on appelle aigus, c'est-à-dire, je mets le produit, est-ce que ça tue la bête? Avec un test comme ça, vous pouvez en déduire que le tabac n'est absolument pas nocif pour les humains. Vous pouvez vous fumer 50 clopes dans la journée, vous ne serez pas mort le lendemain. Mais on fait que ça comme test actuel. Bon, cet article a eu un petit succès, mais en fait, il a été très rapidement combattu par un autre article qui reprenait les résultats du premier et qui disait que ce n'était pas vrai, et qui était écrit évidemment par des gens qui travaillaient pour les boîtes de pesticides. Les auteurs du début ont montré que ce qui avait été raconté par les deuxièmes était faux, mais en fait, celui qui était le plus repris dans la presse, c'était le deuxième, c'était celui qui disait que ce n'était pas. Bon, on commence à avoir maintenant des données qui montrent qu'on trouve des néonicotinoïdes partout, y compris là où on n'en met pas. Et du coup, bah, voilà, il y a des gens qui se sont dit qu'il fallait peut-être arrêter le massacre et qu'il allait falloir protéger un peu les abeilles. Et il y a une agence très importante en Europe qui s'appelle l'EFSA. C'est l'agence qui autorise ou non les pesticides et les OGM et tout ça. Et cette agence, elle s'est dit, tiens, on va regarder la toxicité chronique et plus seulement la toxicité aiguë sur les abeilles. Là, vous me suivez? C'est-à-dire que la toxicité chronique, c'est je remets régulièrement du produit et je regarde ce que ça leur fait, au lieu de regarder juste ce que ça leur fait une seule fois. Elle a proposé un protocole en 2013 et ce protocole n'a jamais été mis en œuvre. Alors, les apiculteurs se sont plaints, ils ont demandé pourquoi. La Commission européenne a refusé de répondre. Les apiculteurs se sont plaints auprès de la médiatrice européenne qui a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner les raisons en août 2019, c'est ça, et en novembre 2019, la Commission européenne a répondu qu'elle ne donnerait pas les raisons. On en est là, sauf qu'en fait, les résultats, la raison, on la connaît. Parce que les producteurs de pesticides ont publié un article extraordinaire. Moi, je trouve cet article, tout le monde devrait le connaître. C'est un article dans lequel les producteurs de pesticides, tous ensemble, alors vous regardez, hein, les signataires, c'est Bayer, Dow Chemical, tous les grands chimistes du monde, enfin toutes les grandes boîtes d'agrochimie. Ils regardent ce qui se passerait si on mettait en place le protocole de l'EFSA sur la toxicité chronique. Et ils trouvent quoi? Ils trouvent qu'il y a 21% des herbicides actuellement autorisés qui seraient encore autorisés. 25% des fongicides, c'est ce qui tue les champignons, et 8% des insecticides. Donc les producteurs de pesticides eux-mêmes ont publié un article disant que 79% des herbicides tuent les abeilles, 75% des fongicides et 92% des insecticides. Mais je voudrais vous faire remarquer, donc évidemment, ça veut dire qu'il serait essentiel de mettre en œuvre ces tests, mais évidemment, eux, ce qu'ils disent, c'est vous ne pouvez pas mettre ces tests en œuvre, ça coûterait trop cher. Ça a marché. Ce qu'il faut voir, c'est que les abeilles, dans cette affaire-là, c'est des sentinelles. Parce que si je vous le dis, ça c'est l'histoire un peu des êtres vivants, vous voyez, il y a une branche qui, enfin, il y a plein de branches qui partent avant, mais sur les espèces qui nous intéressent le plus en général, vous avez là les algues, puis là vous différenciez, là vous avez les champignons, et là vous avez les animaux. Et si un truc qui est fait pour tuer les plantes tue les abeilles, moi je vous garantis que ça veut dire qu'il tue tout le monde. Ça veut dire qu'on touche tellement profondément le métabolisme des organismes qu'on touche tout le monde. Ce que nous dit cet article publié par les producteurs de pesticides, c'est que 82% de leurs produits tuent tout le monde. C'est eux qui le disent, ça serait les écolos qui auraient publié ça, personne ne les croirait. Hein. Mais, Or, les pesticides, voilà, ça c'est une carte de où est-ce qu'il y a beaucoup de pesticides dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, à part les déserts, il y en a partout. D'ailleurs, si vous regardez la déclin de la fertilité masculine, par exemple, dans le monde, elle s'accélère partout aussi. C'est sûrement pas un hasard non plus. Il y a plein de recherches qui montrent que le Roundup, c'est pas bon pour les abeilles, que voilà, les oiseaux souffrent de certains pesticides, que certains pesticides sont mauvais pour les vers de terre, que il y a des pesticides qui sont mauvais même pour les bébés qui les détériorent, qui leur donnent des maladies en relation avec le Zika, etc. Donc les pesticides,
Il y a tout pour comprendre que le facteur numéro un des fondements de la biodiversité, c'est les pesticides. Il y a tout pour le comprendre et pourtant on ne le comprend pas. Hein. Et on ne comprend pas pourquoi, bah, parce que les marchandises sont à l'œuvre. Si vous regardez le rapport de l'IPBES, il est très bien fait sur qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, pourquoi ça ne va pas? Voilà les cinq causes qu'il propose. Le changement d'usage des terres, l'exploitation directe, le changement climatique, la pollution, les espèces invasives. Il n'y a pas le mot pesticide. Évidemment, il est caché derrière le changement d'usage des terres et la pollution, mais n'empêche que le mot pesticide n'y est pas. Hein. Mais moi, je vais vous dire une chose, l'IPBES est complètement farci de marchands de doute. Il y a plein de gens qui appartiennent aux boîtes de chimie qui travaillent dans l'IPBES. Et du coup, quand vous regardez les choses à faire, quand ils proposent des solutions, il n'y a rien sur le changement, hein, du modèle agricole. Alors qu'évidemment, c'est la première chose à faire si vous voulez sauver la biodiversité, c'est changer de modèle agricole et arrêter l'emploi abusif de pesticides. Donc tout ça, les pesticides, la biodiversité se porte très mal. Tout compte fait, on peut savoir assez bien quel est le facteur. Bien sûr que c'est multifactoriel, mais il y a un facteur qui est plus important que tous les autres, et c'est les pesticides. Et si on ne le sait pas, c'est parce qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'on ne le sache pas et qui sont bien payés et qui sont extrêmement efficaces et qui sont très nombreux. Et du coup, ça veut dire que nous, scientifiques, on est un peu piégés là-dedans parce que, vous voyez, je fais une étude sur pourquoi les abeilles s'effondrent. Je regarde l'ensemble des articles qui parlent de l'effondrement des abeilles et je trouve qu'une majorité d'articles parlent du varroa. Eh bien, en tant que scientifique, je vais penser que le varroa est un facteur important. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. En fait, c'est juste que les marchands de doute ont subventionné plein de recherches sur le varroa et zéro recherche sur les pesticides. Donc, en fait, nos propres méthodes ne nous permettent plus de savoir ce qui se passe. On a besoin de l'aide des sociologues des sciences qui travaillent là-dessus pour nous expliquer quand est-ce que les marchands de doute sont à l'œuvre et comment ils font. Les sociologues des sciences ont développé un nouveau champ d'études qui s'appelle l'agnotologie. Pas très joli comme nom, mais c'est l'étude des méthodes de production d'ignorance. Quelles sont les méthodes qui sont employés pour produire de l'ignorance. Et donc, effectivement, c'est l'étude des marchands de doute et de leur fonctionnement. Nous avons absolument besoin de ces études pour arriver à démêler le vrai du faux dans toutes ces affaires. Vous voyez que c'est. Je vous disais qu'on avait tout ce qu'il fallait pour ne pas comprendre la biodiversité. D'abord, on est tous pénétrés de l'idée de la genèse et en plus, on est tous manipulés par les marchands de doute pour ne pas comprendre que ce sont les pesticides le problème numéro un. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que le système est en train de se casser la figure, que la biodiversité est dans une dynamique d'effondrement. Et on sait bien qu'un équilibre dynamique qui part dans ce type de dynamique-là, il va finir par se casser la figure. Et je voudrais vous dire que je pense qu'il est extrêmement important qu'on réagisse. Je ne sais pas comment il faut faire pour arriver à convaincre suffisamment de nos contemporains et de nos dirigeants pour qu'on arrête cette folie d'empoisonner la terre entière. Mais tant qu'on n'arrêtera pas ça, tout le reste ne servira pas à grand-chose. Moi, je suis pour qu'on replante des haies. Je suis pour qu'on fasse des tas de choses pour la biodiversité, qu'on fasse des jolies bordures fleuries. Mais si jamais vous plantez des haies, que vous mettez des bordures fleuries et que vous arrosez tout avec des pesticides, eh bien, ça ne va pas marcher. Et je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de menaces qui vont faire que les choses risquent d'être de plus en plus difficiles. Le changement climatique en est une, mais je crains que la chute de la biodiversité puisse être quelque chose qui nous atteindra de façon extrêmement violente quand on verra progressivement disparaître la plupart des formes vivantes avec lesquelles nous coexistions jusqu'à présent. Je pense que c'est important de vous prévenir, que c'est important de prévenir la communauté scientifique qu'elle est manipulée, et c'est important qu'il y ait un concernement global sur ces questions de biodiversité en relation avec les pesticides. Voilà ce que je voulais venir discuter avec vous maintenant. Il est éteint. Marchait tout à l'heure. Ah, le revoilà. Laurent, tu veux intervenir?
Bonsoir à tous. Donc, je suis exploitant agricole à Ville-la-Rogue, dans la Hague. J'ai bien reçu le message et je suis entièrement d'accord. Mais la solution, pour moi, elle est d'abord politique. Et ça, c'est compliqué parce que moi, en tant qu'exploitant, on voit bien ce qui se passe. On est complètement bridé par le système bruxellois. Si on sort du système, pas on dégage. On est vraiment bridé dans un truc. Et là, le problème, il est là. C'est qu'on s'en va dans toutes les extrêmes. Et la solution, moi j'attends, c'est comment changer la politique de Bruxelles pour que nous, au fond, aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous, je suis désolé de ne pas l'avoir dit tout de suite. Évidemment que les entreprises d'agrochimie sont lourdement responsables de ce qui se passe. Et comme on vient de le voir, elles ont un pouvoir énorme, puisqu'elles ont le pouvoir d'empêcher l'EFSA de mettre en place un test, par exemple, qui leur déplaît. Évidemment que les exploitants sont complètement pris au piège dans cette affaire. Et que ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un concernement global de manière à ce que les politiciens soient obligés de se saisir du problème, parce que je pense qu'effectivement il y a des solutions politiques, ne serait-ce qu'en termes de façon dont on distribue les subventions. Vous savez comme moi, si jamais il y aurait absolument moyen de dire aux gens, si vous arrêtez les pesticides, on met en place une assurance pour vous rembourser en cas de dégâts. Exactement comme on fait avec les loups, par exemple, là où il y en a, et avec des troupeaux de brebis. Donc, en réalité, il y a toute une série de choses qui pourraient être faites au niveau politique pour que les exploitants puissent avoir la possibilité de changer de cap. Actuellement, ce n'est absolument pas ce qui se fait. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Je vous avoue que ce qui reste un peu mystérieux pour moi, c'est pourquoi est-ce que les exploitants continuent à ce point-là à soutenir un syndicat qui s'oppose globalement à ce que les choses changent. Et ça, c'est quand même dommage qu'ils fassent ça. Je suis à peu près sûr, comme vous le disiez, que les choses basculeront d'un coup. Parce que, comme vous dites, c'est in-out, c'est-à-dire que quand tout le monde fait quelque chose, on a intérêt à faire comme les autres. Parce que même si c'est mauvais, si ça se passe mal, il y aura des revendications et on obtiendra une aide. Si vous êtes tout seul à faire ce que vous faites, si jamais vous avez un coup dur, vous n'aurez rien du tout. Donc, évidemment qu'il y a un vrai travail politique à faire. Et ce travail politique, moi, je suis sûr qu'il ne se fera pas si jamais il n'y a pas un mouvement d'ensemble. Je vous avoue que j'ai vu qu'une seule fois ce genre de choses fonctionner. Je me suis battu contre les OGM en France parce que, justement, à cause du brevet sur les gènes, qui me semblait être une hérésie. Je me souviens très bien qu'en 1998, les producteurs d'OGM m'ont dit « Vous perdez votre temps, dans 3 ans, tout sera OGM en France. » Et on est 25 ans plus tard, et tout n'est toujours pas OGM en France, et même il n'y en a quasiment pas. Ça veut dire qu'on peut arrêter les industriels quand ils veulent faire des trucs qui ne vont pas, à condition d'obtenir un vrai mouvement, une vraie adhésion de l'ensemble de la société, avec des journalistes qui font le boulot de faire connaître des choses, et des politiques courageux qui prennent les choses en main. C'est ce qui a été, c'était le cas avec les OGM. Il y a eu un certain nombre de politiques comme Corinne Lepage ou comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont vraiment fait ce qu'elles pouvaient pour empêcher les OGM de se développer en France. Il faudrait en arriver à la même chose avec ces questions-là. Il est clair qu'en fait, tout notre système agricole est fondé sur la chimie actuellement, et donc il faut revoir globalement le système, et c'est vrai que c'est compliqué, ça demanderait un gros travail. Attendez, on ne vous entend pas. Ouais, je vais vous donner une idée toute simple que l'Europe nous impose, qui a depuis 10 ans, c'était toléré, maintenant c'est presque obligatoire, c'est qu'une parcelle qui n'a pas été labourée pendant 5 ans ne peut plus être labourée. Ça force forcément à labourer, pour pouvoir faire une culture dedans, et ça interdit les rotations longues. Avant, on faisait des rotations de 5, 10, 15 ans. On ne peut plus à cause des règles de Bruxelles. C'est complètement anti-agricole, on ne comprend plus. Quoi. Je pense, il y aurait tout un travail à faire pour que la profession agricole discute avec les gens de la profession agricole, et puis qu'on arrive à obtenir des schémas. Vous savez qu'il y a eu un plan qui s'appelait Ecophyto qui a été lancé au début des années 2000, un plan avec pas mal d'argent pour diminuer. Le but, c'était de diviser par 2 la quantité de pesticides utilisés en France.
Au bout des 10 ans en question, la quantité de pesticides utilisés en France avait augmenté de 30%, et la plupart des crédits avaient servi à autre chose que de s'occuper de ça. Donc, actuellement, il n'y a aucune vraie volonté politique pour que ça change. Et il est clair que les entreprises d'agrochimie sont extrêmement puissantes au niveau politique, donc tant qu'il n'y aura pas un vrai mouvement d'ensemble des citoyens, on ne pourra pas contrer ces entreprises. Mais parce que vous nous avez dit qu'il y avait une prise de conscience quand même scientifique, qu'il y avait un effondrement de la biodiversité. Vous nous expliquez qu'effectivement, pour vous, le problème principal, c'est les pesticides. Mais est-ce qu'il y a un mouvement scientifique qui vous suit justement aussi sur cette position? Écoutez, il y a de plus en plus d'éléments. Régulièrement, actuellement, il y a des publications de plus en plus fréquentes qui pointent les pesticides comme problème numéro un. Mais la plupart des scientifiques ne connaissent pas l'agnotologie. La plupart des scientifiques ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et il faut bien avouer une chose qui est pas de chance dans ce domaine-là. C'est que, vous voyez, que dans l'histoire du tabac, les marchands de doutes ont joué un rôle énorme, et ils ont quand même réussi de 1953 à 2000 et quelques à obtenir que, officiellement, ce ne soit pas le tabac qui soit le responsable numéro un du cancer. Ça a duré donc plus de 50 ans. Mais au moins, la plupart des médecins n'étaient pas payés par l'industrie du tabac. Pour le climat, c'est un peu pareil. Les boîtes qui produisent du pétrole ou du charbon ont contré les experts du GIEC, etc., et ont favorisé les climato-sceptiques. Certes, les entreprises de pétrole et de charbon payent des scientifiques, mais c'est essentiellement des géologues, ce n'est pas des climatologues. Donc, effectivement, en France, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un ami Claude Allègre, un grand truand qui recevait beaucoup d'argent des industries pétrolières pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le climat. Mais au moins, la plupart des climatologues n'étaient pas payés par les pétroliers. En biologie, on est dans une situation catastrophique sur ce plan-là, parce que depuis 50 ans, tous les gouvernements successifs ont demandé aux laboratoires de recherche de se mettre au service de l'industrie pour faire de l'emploi, etc., etc. Donc, on a restreint les crédits des laboratoires de manière à ce que, pour avoir de l'argent, les laboratoires doivent se tourner vers l'industrie. Le résultat, c'est qu'il y a une immense majorité des laboratoires de biologie qui touchent leur argent des boîtes d'agrochimie et de biotechnologie. C'est les mêmes. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui soient sans conflit d'intérêts sur ce genre d'affaires. Donc, d'une part, la plupart des scientifiques sont pas au courant, puis d'autre part, la plupart des scientifiques sont dans un problème de conflit d'intérêts. Quand je vous dis conflit d'intérêts, ce n'est pas qu'ils vont faire exprès de dire que ce n'est pas vrai que c'est des pesticides parce qu'on leur demande de dire ça, mais c'est qu'ils travaillent avec des entreprises, et quand vous travaillez avec une entreprise, c'est beaucoup plus difficile de dire des choses désagréables pour cette entreprise que si jamais vous ne travaillez pas avec, même sans mauvaise foi. Juste, vous avez du mal à le faire. Et donc, je pense que pour que la communauté des biologistes, globalement, la communauté des écologistes, ils sont à peu près des scientifiques qui s'occupent d'écologie, sont à peu près tous convaincus que les pesticides ont un rôle majeur. Mais les biologistes en général, c'est 10 fois plus que simplement les gens qui s'occupent d'écologie, et eux, ils sont pour la plupart en lien avec les industries chimiques. Donc ça n'aide pas. Si demain on arrête tous les pesticides, aujourd'hui c'était la journée de la faim, on n'arrive déjà pas à nourrir tout le monde sur la planète. Est-ce que vous pensez que si on arrête tous les pesticides, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à nourrir tout le monde? Oui, j'ai 69 ans, ça fait depuis 49 ans, on va dire, que j'entends dire qu'on va arrêter la faim dans le monde et qu'on va régler le problème grâce à telle ou telle chose. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, la production agricole mondiale est suffisante pour nourrir l'ensemble des humains sur Terre. Donc, le problème de la faim dans le monde n'est pas un problème de production globale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent de faim? C'est le fait qu'ils ne peuvent pas s'acheter à manger, parce qu'ils sont trop pauvres. C'est un problème d'inégalité de revenus. Il y a à peu près 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas avoir suffisamment à manger et quelques centaines de millions qui sont en train littéralement de mourir de faim. L'agriculture industrielle,
qui est une agriculture chère. Ce n'est pas elle qui va diminuer les inégalités de revenus. Au contraire, l'agriculture industrielle augmente les inégalités de revenus. Lorsque vous fabriquez des cultures de soja comme ça, vous virez les petits agriculteurs du coin qui vivaient tranquillement de leur terre et vous les envoyez dans les favelas et c'est là qu'ils vont mourir de faim. Il y a encore 20 ans, la plupart des gens qui mouraient de faim étaient des agriculteurs. Maintenant, ce n'est plus des agriculteurs parce qu'ils ont quitté la terre. Donc non, le problème de la production agricole globale n'est pas le problème de la faim dans le monde. Le problème de la faim dans le monde, c'est un problème d'inégalité de revenus. Et qui plus est, je pense qu'on peut comprendre ça facilement, c'est certains agronomes comme Marc Dufumier qui ont beaucoup insisté là-dessus. Si vous voulez produire un maximum de biomasse, il est clair qu'il faut que quand un rayon de soleil arrive sur Terre, il rencontre toujours une feuille avant d'arriver sur le sol, de manière à faire de la photosynthèse, à faire de la biomasse. Beaucoup de cultures actuelles sont des cultures qui ne sont pas du tout optimales sur ce plan-là. Regardez un champ de maïs. Mais pendant les trois quarts de l'année, le sol est nu. Donc ce n'est pas vrai que c'est ça qui maximise la production agricole. Si vous voulez maximiser la production agricole, il faut faire des rotations avec des mélanges d'espèces, des trucs plurispécifiques dans lesquels, quand une espèce est en train de pousser, l'autre est déjà poussée, etc. Ça demande plus de monde. Et ça demanderait, donc, quand je disais qu'il faut revoir le modèle agricole, il faudrait qu'il y ait plus de monde dans les campagnes, il faudrait qu'il y ait plus d'agriculteurs. En réalité, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller travailler dans l'agriculture. Mais malheureusement, on ne les y aide pas, parce que ça aussi, au niveau politique, on ne peut pas dire qu'on fasse beaucoup pour aider les gens à venir s'installer à la campagne. Donc, en réalité, il faut vraiment changer le système. Si on veut une agriculture durable, il faut effectivement de la diversité dans les variétés cultivées. Il faut arrêter ou diminuer fortement. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter tout. On ne peut pas arrêter les pesticides du jour au lendemain. Moi, je suis d'accord. Mais en revanche, les doses qu'on met actuellement sont absolument délirantes. Et puis les graines enrobées, alors ça, c'est inadmissible. Hein. Il y a plein de choses. Et on nous dit qu'on ne peut pas faire autrement, mais il y a 30 ans, on n'avait pas de graines enrobées, on produisait quand même suffisamment pour se nourrir, donc faut pas exagérer. Donc on peut produire encore plus que ce qu'on produit actuellement de façon écologique, à condition qu'il y ait plus de monde pour travailler dans les fermes. Et entre nous, dans les années 50, 60, 70, on a organisé l'exode rural, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre bon marché dans les usines, et on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les agriculteurs quittent leur ferme. C'est clair qu'il faut faire le mouvement inverse aujourd'hui. Si on veut une agriculture durable, il faut faire tout ce qu'on peut pour que les gens puissent rester déjà pour ceux qui sont à la campagne, et éventuellement s'y établir s'ils peuvent, et s'ils veulent. Et ça, eh ben, c'est pareil, c'est des décisions politiques. Mais croyez-moi, c'est pas parce que vous ferez une agriculture industrielle que vous nourrirez plus de monde, au contraire. Ce que vous ferez, c'est que vous produirez peut-être plus, j'en suis même pas sûr, mais la production que vous ferez, elle va servir juste à faire du gâchis chez les riches. Hein, on n'arrête pas de dire, oui, gaspillage d'alimentaire, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on bouffe plus? On est déjà assez gros comme ça. Je veux dire, si jamais, bien sûr qu'on gaspille, parce que la production totale est largement suffisante pour tout le monde, et que comme il y en a qui ne peuvent pas s'acheter à manger, les autres, ils ont trop. J'insiste, on produit assez pour tout le monde, bien qu'on mange une quantité déraisonnable de viande. Alors je suis absolument contre le fait qu'on arrête l'élevage, une ferme écologique, ça contient des animaux qui recyclent, etc. Mais en revanche, on n'est pas obligé les élevages industriels, ça, je pense que ça a des tas de défauts, et bon, on peut en parler si vous voulez. Mais évidemment que ça, si jamais on diminuait la quantité de viande consommée, on aurait encore plus à manger pour tout le monde. Du coup, j'avais une remarque, mais maintenant, avec tout ce qui s'est dit, j'en ai plusieurs. du coup, ça me fait penser à cette histoire de... quand vous avez parlé de l'exode rural, j'avais entendu une fois que c'était Citroën qui s'était installé en Bretagne, qui s'était arrangé avec le ministère de l'Agriculture pour créer la surface agricole minimale. Et en fait, ils avaient fait des calculs sur le nombre de paysans qui avaient... ils s'étaient imaginé combien de personnes ils avaient besoin dans leur usine. Ils avaient regardé combien ça représentait d'agriculteurs en fonction de la surface minimum. Et ils avaient interdit les surfaces minimum pour que tous ces gens viennent de travailler à l'usine. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais effectivement, ça colle bien avec ce que vous disiez. Il n'y a pas de doute.
Et du coup, là, effectivement, on sait bien que la politique de l'exode rural était destinée à ce que les usines se remplissent avec des gens qui ne demandaient pas des salaires trop élevés. Ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, la remarque que je voulais faire, c'est quand vous parlez des marchands de doute, bah, étonnamment, moi, ça m'a fait vraiment penser à tous les gens qui gravitent autour du nucléaire par chez nous. Non, mais, voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand vous parlez de cette manipulation, de cette communication qui date d'il y a plus de 50 ans. C'est des choses qui sont très rodées, pour lesquelles les élus locaux ne sont pas armés, pour lesquelles la population n'est pas armée. Et c'est vrai que ça tombe bien au niveau timing que vous nous parliez de ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Écoutez, je ne connais rien au nucléaire, donc je vous avoue que je l'ai cité parce qu'on était ici, mais vraiment, je n'y connais rien. Simplement, effectivement, je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des problèmes avec un système, avec des gens qui ont du pouvoir ou de l'argent et qui veulent faire passer quelque chose, ben ils vont employer les mêmes techniques. Maintenant, elles sont rodées. Maintenant, évidemment, ça peut aller dans tous les sens et ça, on peut craindre qu'une fois que ces techniques sont mises en place, absolument tout le monde s'en serve, quel que soit, même pour des choses bien, d'ailleurs. Bonjour, je suis apiculteur dans la région. Les pesticides, nous on a la chance dans notre secteur, c'est qu'on a des petites parcelles et on a beaucoup de terrains non exploités. Donc c'est pas ce qui va nous faire le plus de mal sur nos colonies en fait. Ce qui aujourd'hui pour moi fait le plus de mal, c'est la monoculture où on a un manque de pollen. Là, nos abeilles, par contre, n'ont pas les trois acides aminés. C'est de rapprocher un peu le micro. N'ont pas les trois acides aminés et ont des carences alimentaires. Et à la fin de l'hiver, ils ne sortent pas. C'est là qu'on est obligé d'apporter du pollen. Mais on a la chance aujourd'hui, dans notre secteur, de pouvoir ne pas trop subir les pesticides et plutôt, par contre, subir la monoculture et un manque de pollen d'hiver. Écoutez, si vous avez de la monoculture, vous avez des pesticides. Oui. Comment mesurez-vous l'effet comparé des pesticides avec les effets dont vous parlez? Parce que quand on parle avec d'autres collègues qui sont, eux, plus dans les terres, où il y a plus de plaines, eux, ils ont au niveau des pertes sorties d'hivernales et tout, ils ont des beaucoup plus grosses pertes que nous. D'accord. Par rapport à des secteurs où on est plus protégé, le fait que ça soit vallonné et tout chez nous, on ne peut pas faire des mégacultures où on n'a qu'un type de culture en fait, et ça nous on le retrouve au niveau de nos ruches. Après on a plus de pertes qu'il y a 15 ans, ça c'est sûr, mais Écoutez, tant mieux. Je pense qu'effectivement c'est dans les zones de bocage, effectivement les choses vont moins vite. Je suis pas sûr que vous soyez vraiment protégé. Je suis sûr que ça va moins vite, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut essayer de nous mettre en place, voire pour laisser certains endroits comme dans l'Est, ils font des accords avec les agriculteurs pour faire des semences mellifères, pour essayer de remettre des parcelles qui sont non cultivées, pour essayer d'apporter plus de nutriments à l'abeille, mais à tous les pollinisateurs qui sont autour, parce qu'on voit l'abeille, mais tout le monde souffre en fait. Je suis sûr que c'est une bonne idée, et je ne suis pas sûr que si jamais on ne fait pas en même temps une réduction de la quantité de pesticides, ça marchera. Ah oui, ça je suis d'accord. C'est un sujet que je connais bien, puisque je pratique l'apiculture depuis 40 ans et plus. Effectivement, la hague produit un miel excellent, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a une biodiversité autour de nous. Il n'y a pas de culture intensive, enfin, pas trop de culture intensive. Et c'est ce qui nous sauve. Effectivement, l'abeille, vous l'avez cité, je vous en remercie. Et effectivement, un outil, excusez-moi l'expression, mais c'est un outil, ça nous permet de tester. Et effectivement, c'est très sournois. Je citerai un exemple que j'ai vécu. Il y a quelques dizaines d'années, les abeilles
lorsqu'elles rentraient à leur ruche, elles cherchaient leur ruche. Alors qu'on sait qu'une abeille, à 20 cm près, elle revient de là où elle est partie. Il y a quelques années, ça s'est amélioré, on ne voit plus ça. Donc, les pesticides qui sont utilisés ont été modifiés, et on le sait. Donc, et je dirais que la biodiversité, on est un exemple dans la haie, où effectivement, cette absence de culture intensive nous permet de dire que l'abeille se nourrit mieux qu'ailleurs. Sauf qu'effectivement, lorsqu'on pratique l'apiculture intensive, effectivement, ça c'est une autre question. Mais dans l'apiculture amateur, effectivement, la biodiversité a effectivement un facteur de chance, un facteur positif. Dans les autres sujets, c'est effectivement, on développe de plus en plus chez les apiculteurs une espèce de mono-exploitation en ignorant que nos ancêtres avaient plusieurs façons. On dit une expression, autant d'apiculteurs, autant d'apprentis sorciers. Et effectivement, cette diversité dont vous avez décrit ce soir, c'est celle-là qu'il faudrait retrouver. Merci. Merci à vous. Je pense qu'effectivement, ici, vous avez la chance non seulement d'avoir un environnement particulier sur le plan agricole, mais aussi vous n'avez pas, vous avez surtout un environnement marin autour de vous à moyenne distance, donc du coup, vous ne risquez pas de recevoir des pesticides de partout. On va rester en apiculture. La question qui nous taraude, on défend l'abeille noire. Aujourd'hui, il y a deux camps. On a, pour ceux qui connaissent moins, il y a l'abeille noire qui est une espèce, et on a la buckfast qui, elle, c'est un croisement d'espèces qui donne une abeille. C'est deux clans d'apiculteurs qui se confrontent. Aujourd'hui, c'est la question, c'est est-ce que on doit maintenir une abeille qui est là depuis des millions d'années, ou dire notre milieu a tellement changé, est-ce qu'on doit vraiment la maintenir ou on doit passer sur un autre type d'abeille? Et ça, c'est la grande question que tout le monde se pose et que je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous répondrai avec ce schéma. Justement, je pense que ce que vient de dire votre prédécesseur, pour moi, répond. Il ne faut pas que tout le monde... Moins tout le monde fera pareil, mieux ça sera. Donc, s'il y en a qui veulent faire de l'abeille noire, eh bien, qu'ils continuent à en faire, et s'il y en a qui veulent en faire d'autres, qu'ils en fassent d'autres, et que chacun travaille à sa façon, dans son environnement, et surtout qu'on essaye de... Et évidemment, si jamais il y a une des lignées qui se casse la figure, eh bien, il faut se réapprovisionner chez les autres. Bon, mais plus on laisse la différenciation fonctionner, plus on a de chances de produire de la diversité et de voir apparaître des formes qui ne sont peut-être pas... tout à fait les formes ancestrales, mais qui en revanche correspondront bien, qu'elles soient issues des abeilles noires ou des autres. Moi, je pense que vraiment, c'est ça, la durabilité, elle passe par le fait de, particulièrement dans les milieux agricoles, par le fait qu'il y ait une diversité locale qui s'établisse, aussi bien pour les variétés de plantes que pour les races d'animaux et que pour, bien sûr, les abeilles. Parce qu'en fait, l'abeille noire, elle se reproduit naturellement. L'humain n'a pas à intervenir pour la maintenir en abeille noire. Que la buckfast, il faut toujours que l'humain, en fait, il y a la F0, F1, F2, à partir de la F2, si ça vous plaît. Excusez-moi, je ne m'y connais pas assez, mais si jamais vous ne pourriez pas refabriquer des populations qui se maintiendraient sans les croiser tout le temps. La buckfast, non, on a toujours l'humain qui intervient pour refaire de la F0. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne refaites pas de la F0 et que vous continuez? Elle dépérit? Ça redeviendrait de l'abeille noire. Ah oui. Et est-ce que les abeilles noires, elles sont un peu transformées par ça? Parce que quand même, il doit peut-être y avoir des gènes qui passent de ces hybrides vers les abeilles noires. Oui, on retrouve au niveau de l'ADN, on retrouve des différences, mais qui... avec l'évolution, qui finissent par être absorbées, et on retrouve de l'abeille noire quand on fait les vérifications au niveau des ailes, des pattes et tout, qui reviennent sur une abeille
local du coin, en fait. Ah oui, très bien. Donc, ça veut dire que les hybridations, tout compte fait, soit elles n'ont pas d'effet, soit elles ont un petit effet de produire de la diversité locale et puis elles disparaissent. Je trouve que ça vaut pas la peine de se battre, si vous voulez. Je pense que chacun peut faire. Excusez-moi, je n'ai pas tout entendu parce qu'effectivement, vous n'avez pas toujours parlé dans le micro. C'est déjà une première chose que je recommande à ceux qui prennent la parole, c'est au moins de se servir d'un micro comme il faut. Effectivement, sur l'abeille noire, la buteface, la carnica, enfin bref, ainsi de suite, j'ai fait plusieurs essais, mais on s'aperçoit que dans la reproduction de la reine, c'est effectivement le mâle de l'abeille qui détermine la reproduction. Et la reproduction, c'est très important, c'est ce que vous nous avez expliqué. Et dans cette diversité de reproduction, c'est notre chance, cette diversité de reproduction. J'aime l'abeille noire, j'aime la carnica, j'aime la buteface, j'aime l'abeille tout simplement, et aussi simplement que ça, j'aime l'abeille. J'aime sa diversité, sa façon de travailler, et c'est cette diversité, et mettez bio devant si vous voulez, mais c'est cette diversité qui nous sauvera, et c'est celle-là qu'il faut respecter. Bonsoir, j'ai entendu dans une émission radio assez récemment, par rapport à ce que vous appelez les niches, je crois, si j'ai bien compris, niches écologiques, que par exemple le corail représentait 0,3% de la surface de l'océan, mais hébergeait à peu près 15 à 20% de la biodiversité océanique. Donc ce genre d'information, j'aimerais savoir s'il y a vers quel site ou vers quelle bibliothèque de choses on peut avoir ce genre d'indication, mais pas uniquement lié donc au rail, mais à tout le reste. Est-ce que c'est des recherches qui sont assez documentées? Alors, effectivement, dans le milieu océanique, la situation est pas pareille que sur Terre, parce que il y a beaucoup moins de micro-habitats. C'est-à-dire que le plancton, les bestioles, etc., peuvent bouger. Il n'y a pas de barrière forte à la migration. Ce qui fait que les récifs coralliens ont un rôle très particulier de produire un micro-habitat tout à fait remarquable et dans lequel vont se retrouver énormément de formes vivantes. Les chiffres qu'on donne, je vous avoue que pour moi, ils ne veulent pas dire grand-chose. Comme je vous l'ai expliqué avec le coup des insectes et des plantes, qu'est-ce qu'on compte? Les espèces, vous voyez, on n'a pas de mesure de la biodiversité. Et à la limite, je dirais qu'on peut s'en passer, puisque de toute façon, on constate que tous les indicateurs vont dans le même sens, d'un effondrement très rapide. Donc du coup, l'urgence n'est pas de fabriquer une mesure fiable. Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on devrait se donner le mal d'en fabriquer une, mais vous voyez, on pourrait la faire à base de complexité d'arbres, parce que comme toutes ces formes, mais c'est clair que dans un... Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon... Ouais, je crois qu'il y en a plus. Bref. On pourrait travailler sur des complexités d'arbres comme ça, et voir comment est-ce que... Évidemment que les deux formes qui sont les plus au bord, là, elles font plus de diversité que les deux formes les plus proches. Donc, on peut corriger les noms d'espèces en regardant jusqu'à quel point elles sont proches ou pas. Mais on n'a pas de bon indicateur global de biodiversité. Donc, effectivement, si on compare les insectes et les plantes, on est sûr de dire des bêtises. Si on compare deux écosystèmes comparables, là, du coup, si jamais il y en a un qui a deux fois moins d'espèces que l'autre, là, ça veut nécessairement dire quelque chose. Et effectivement, ce qu'on voit avec les récifs coralliens, c'est qu'avec l'augmentation de l'acidité des océans, les récifs blanchissent, comme vous le savez peut-être, et que là, du coup, la biodiversité disparaît dans ces récifs-là. Alors là, il y a un vrai problème. Mais avoir des données précises sur quelle quantité de biodiversité, ça me semble difficile, pas seulement pour les coraux, hein, mais pour tout le reste. Hein. Et voilà, donc... Si vous voulez des données sur la biodiversité globalement, je pense que le site de l'IBES est actuellement le plus complet. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur... Mon idée, c'était surtout en fait, sans avoir des chiffres précis, c'est pas ça que je voulais savoir, mais avoir des idées d'ordre sur les différentes niches qu'on peut avoir au local ou
voire sur l'Europe, ou, enfin, je sais pas, suivant les espaces qu'on considère. Effectivement, une des difficultés, c'est que les zones à forte biodiversité sont quand même essentiellement des zones tropicales, hein, parce que c'est là où justement il y a le plus de moyens de fabriquer une dynamique avec beaucoup de biomasse, parce qu'il y a beaucoup de soleil, quand il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'eau, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc c'est la forêt, les forêts tropicales amazoniennes ou indonésiennes. Et effectivement, là, on voit bien que la destruction de ces forêts est actuellement un facteur d'appauvrissement de la biodiversité très très lourd. Maintenant, voilà, on pourra vous donner des nombres d'espèces, mais voilà, je pense que prenez-les avec précaution. Mais évidemment que les zones tropicales sont celles où il y a le plus de biodiversité, et c'est aussi celles où il y a le plus de pauvreté, ce qui rend la situation très complexe. Moi, j'ai une question par rapport au dérèglement climatique. Par exemple, on sait que tout ce qui se passe ailleurs dans le monde va avoir un impact partout. Est-ce que c'est pareil avec la biodiversité? Est-ce que si on arrive à faire un îlot de biodiversité localement, est-ce qu'on peut potentiellement être préservé des impacts de ce potentiel effondrement? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit pareil, quelque chose de mondial? C'est une très bonne question et on n'a pas la réponse. On n'a pas de modèle global de la biodiversité terrestre, contrairement aux climatologues qui peuvent avoir un modèle global du climat terrestre. En fait, les particularités locales sont tellement grandes qu'on ne peut pas répondre à cette question. Il est probable qu'on puisse quand même, enfin, à part des effets globaux comme les pesticides, parce que si jamais, moi je vous disais que, par exemple, quand on enrobe une graine, il y a 95% des pesticides qui s'en vont, on ne sait pas où, dans l'eau, dans l'air, etc. À quelle distance, on ne le sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les jours, pratiquement, on a des nouveaux articles qui sortent, qui montrent qu'on trouve des pesticides là où on ne les met pas. Et même à de grandes distances, et même dans des trucs bio, même dans des réserves. Donc sur ce plan-là, il y a des effets globaux que vous ne pourrez pas éviter. Comme on le disait tout à l'heure, la Hague, c'est vrai que vous n'êtes pas pollué par les pesticides qui viennent du nord, ni de l'est, ni de l'ouest, en gros, il n'y a que le sud. Donc vous pouvez sûrement faire des choses plus protégées qu'ailleurs. Mais je ne sais pas si jamais il existe des phénomènes globaux sur la biodiversité qui vont faire que l'ensemble impacte chaque élément. On a des éléments troublants sur ce sujet. Par exemple, quand on regarde les grandes périodes d'extinction passées, on constate que les extinctions passées se sont faites par paliers. C'est-à-dire, vous avez un paquet de formes qui disparaissent, et puis on reste à un certain niveau de diversité, et puis paf, ça se réeffondre. Comme si le fait d'avoir perdu les premières avait modifié la dynamique globale qui faisait qu'après, il n'y avait plus besoin de la cause de départ, parce que si la cause de départ, c'était une météorite, il ne tombe pas des météorites tous les jours, vous voyez. Mais une fois que, le mouvement est lancé, on a un peu l'impression qu'il y a un système qui a perdu sa dynamique et qui, du coup, s'effondre progressivement. Donc, je crains qu'il y ait des effets du global sur le local, mais ça, on connaît très, très mal. Et en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'avec le changement climatique, ce qui va se passer ici va dépendre beaucoup de ce qui se passe au sud. Parce que les formes qui sont au sud vont devoir remonter pour retrouver leur zone de confort climatique. Et donc, ce que vous allez avoir comme plantes et comme animaux ici dans quelques temps, c'est ceux qui sont aujourd'hui nettement plus au sud. Allez, les oiseaux ont déjà fait quelques dizaines de kilomètres vers le nord depuis le début du réchauffement climatique et ils vont encore en faire d'autres. Évidemment, là, ici, ceux qui sont ici, qui vont aller vers le nord, ils sont coincés, mais vous allez recevoir ceux qui... Il y a plus au nord que nous, quand même. Ceux qui viennent de... Comment ? Il y a quand même plus au nord que nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un oiseau qui est ici, il ne peut pas partir vers le nord. Il ne va pas redescendre pour retourner vers un oiseau qui ne s'est pas volé au-dessus de la mer. Et ici, il est coincé vers le nord. Et ça fait partie des difficultés, parce que chez vous, ça se voit, mais c'est partout pareil. Parce qu'il y a des restrictions à la migration qui sont très très fortes. Les oiseaux forestiers sont bloqués dans un massif forestier. Si au nord, il n'y a plus de forêt, il n'y a que des champs ou des villes, ben, l'oiseau forestier, il n'arrive pas à passer dans la forêt qui est plus au nord. C'est pour ça qu'il faut remettre des corridors. Ça, c'est un des rares succès qu'on a eu sur ces questions de dynamique. Ça a été de mettre en place les trames vertes et bleues.
c'est-à-dire de reconnecter les forêts, reconnecter les écosystèmes qui se ressemblent, reconnecter aussi les écosystèmes aquatiques, de manière à permettre la migration. Parce que sans migration, déjà en l'absence de réchauffement global, ça marche déjà pas, mais avec réchauffement global, si vous n'avez pas de migration possible, vous avez évidemment un système qui... Il y a beaucoup de formes vivantes qui n'arrivent pas à se maintenir. Bon, je vais essayer de bien tenir mon micro. Non, je vais parler d'un sujet houleux aussi, c'est les incendies. En fait, l'année dernière, on a subi un incendie sur les Landes et il y a eu beaucoup de sujets qui sont revenus où l'ancienne génération faisait des brûlis, donc brûler des parties. Donc, ils disent qu'il y aurait eu des brûlis de feuilles, il n'y aurait pas eu de problème. Est-ce qu'on a un impact par rapport aux brûlis? Est-ce qu'on sait si ça régénère, d'après les anciens, ça régénère la nature? Est-ce que vous savez si c'est vrai? Est-ce que ça détruit de la biodiversité ou si ça en ramène? Alors, les perturbations, le feu, c'est une perturbation. Les perturbations, à certaines doses, elles augmentent la production de diversité parce qu'elles augmentent la dynamique. Si vous n'avez que des trucs qui ne bougent pas, hein, si vous n'avez que des champs qui ne bougent jamais, parce qu'on met toujours la même chose dedans, et puis que des forêts qui ne bougent jamais non plus, effectivement, vous n'avez pas beaucoup de dynamique. Un minimum de perturbation, ça peut faire du bien, et donc les feux en font partie. Simplement, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que ce que les anciens ont connu quand ils faisaient du brûlis, on n'est plus dans les mêmes conditions climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le degré de sécheresse des écosystèmes est sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 50 ans. Et donc, les mêmes procédures risquent de ne pas donner les mêmes effets. Donc, je serai assez prudent sur cette question. Merci. Mais il y a un exemple très classique. Il y a un grand parc naturel aux États-Unis qui s'appelle Yosemite. C'est un très beau parc. C'est un des premiers qui a été mis en défense aux USA. Il était complètement laissé intouché. Et progressivement, le paysage est devenu très laid parce qu'il y a des espèces de pins assez moches qui poussent très serrés les uns contre les autres. Il y a juste quelques épines en haut, puis des troncs avec des branches mortes en bas, puis il n'y avait plus que ça. Et ils se sont rendus compte que le problème, c'était que justement, ils n'avaient plus de feu. Et que comme il n'y avait plus de feu, ces forêts gagnaient tout le terrain. Il n'y avait plus de prairies, il n'y avait plus rien. Il y a toutes les espèces qui vivent dans les prairies qui disparaissaient. Et donc, ils ont essayé de remettre le feu en essayant de copier les méthodes qu'utilisaient les Indiens parce que c'était eux qui géraient cet espace avant et que ce que faisaient les Indiens, ça marchait très très bien pour la biodiversité locale. Donc ils ont remis en œuvre du feu à Yosemite, très contrôlé bien sûr, pour maintenir la diversité des paysages. Ceci dit, c'est dans une zone où il n'y a pas de culture. Parce que si jamais vous avez déjà une immense quantité de culture et que le peu qui reste, vous le brûlez là. Donc je voudrais dire, on aurait un levier au niveau local pour diviser, à mon avis, par deux les pesticides. C'est qu'il y a une entente assez costaud au niveau des élus. Ça fait 7-8 ans qu'on essaye, c'est ce qu'on appelle pour réorienter les aides-PAC sur l'ICHN. L'ICHN, c'est une indemnité pour aider suite au handicap naturel. Et c'est un genre de compensation, une réorientation des aides. Et là, le problème, c'est que les seuls qui s'intéressent à ça, c'est EDF tout de suite, suite au projet de piscine de déchets radioactifs. Donc on essaye, on verra bien, mais on a essayé au niveau du Cotentin, ça ne les intéresse pas. Au niveau du ministère, ça ne les intéresse pas. C'est pas évident. Il n'y a que s'il y a une force d'élu qui arrive à se bagarrer pour réorienter ça, qu'on pourra arriver à diminuer ça. Mais il y a moyen. Il y a moyen, comme vous dites, mais c'est quand même dommage que ça soit entièrement sur les collectivités locales que ça repose, et qu'on ait des ministres de l'Agriculture qui sont... Ça fait quand même trois ministres de l'Agriculture de suite qu'on a qui sont absolument scandaleusement incapables de bouger sur ce plan-là. Il y en a un des deux que j'ai eu comme étudiant à l'agro, donc j'ai la honte, hein, mais... Et ne parlons pas de la PAC, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la dernière négociation, la PAC, donc politique agricole commune, hein,
à la dernière négociation de la PAC, il y avait un certain nombre d'États qui avaient proposé des processus de verdissement de la PAC, comme on disait, c'est-à-dire de rendre les subventions plus écologiques. Le pays qui a le plus bloqué, ça a été la France, hein, là-dessus. Faut quand même le savoir. Hein. Donc notre action, la nation française sur la PAC actuellement, elle est parfaitement négative sur ces questions. C'est pour ça que je pense qu'interpeller nos politiques au niveau national, ça serait quand même un peu important. Et tant mieux si les élus locaux font ce qu'ils peuvent, mais je me doute bien qu'avec les moyens qu'ils ont, ils ne pourront pas remplacer la PAC. Quoi. Moi, je voulais revenir sur l'exemple que vous avez cité avec le parc de Yosemite. Ça m'interpelle parce qu'en fait, vous disiez que sans l'intervention humaine, des forêts poussaient et que ça amoindrissait la biodiversité et qu'il fallait l'intervention humaine d'utiliser le feu pour recréer une dynamique et réapporter une diversité. Donc, est-ce que l'intervention humaine est toujours nécessaire pour maintenir une biodiversité ? Elle n'est pas nécessaire. Il n'y a pas non plus de niveau de biodiversité nécessaire. En quelque sorte, si jamais vous laissez les forêts vieillir, et bien au bout d'un certain temps, elles vont refabriquer une diversité interne et puis il y aura quand même des arbres qui tomberont, ça fera des chablis, il y aura des plantes qui repousseront dedans, puis il y aura des feux naturels. Mais si vous voulez, dans une surface un peu limitée comme celle d'un parc, avoir suffisamment de diversité, vous voyez, s'il n'y avait pas d'humains, la diversité, bah peut-être qu'il y aurait des grandes zones avec pas beaucoup de diversité, mais la diversité, elle se ferait sur l'ensemble. Là, comme les humains sont là et qu'ils cultivent et qu'ils mettent des villes partout, etc., bah dans ce qui reste, une gestion optimale, c'est mieux que rien. Mais on a d'autres exemples qui sont très intéressants. Un exemple de... Il y a un autre parc aux USA où ils ont refabriqué beaucoup de diversité en remettant les loups. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un parc dans lequel... Depuis que les loups avaient disparu, on voyait disparaître toute une série de plantes. Et quand on a remis les loups, ces plantes sont réapparues parce que les loups, en diminuant la quantité de gros herbivores, ont ramené une dynamique végétale qui était perdue en leur absence. Comment ? Et animal aussi, oui. Enfin, animal, on s'y attend, si vous voulez, mais végétal, c'était quand même une surprise, en quelque sorte, hein, de voir tout d'un coup revenir des fleurs qu'on n'avait pas vues depuis 20 ans. À Yellowstone. Hein. On a un exemple un peu plus local d'action de l'humain, justement, pour préserver la biodiversité. C'est un projet qui a été mené par le Conservatoire du Littoral et le CIMEL dans les dunes au niveau de Vatteville. Il y a des pins qui ont été plantés là. Sébastien, tu me comprends si je dis n'importe quoi, au début du XXe siècle. Et en fait, c'était une personne qui était propriétaire de ce terrain-là dans les dunes qui a planté ses pins et ça s'est développé. Et en fait, là, l'action qui a été décidée, c'est de limiter le développement quand même de ces pins parce qu'effectivement, ces dunes présentent une biodiversité remarquable et qu'il faut la conserver. Et je pense effectivement que c'est important, étant donné l'emprise humaine maintenant sur la nature, de pouvoir conserver justement ces zones-là. Mais c'est vrai que c'est une action qui n'est pas forcément facile à porter parce qu'on coupe des arbres. Ça, c'est comme quand on demande à enlever les chats. Bien, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais vraiment tous vous remercier. Si, ah. Étienne, allez. Étienne, ça va être intéressant. Pas que les autres, ça ne l'était pas. Oui, j'aurais voulu parler un peu de l'agroforesterie, pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour se donner la bonne conscience que les groupes phytosanitaires proposent ça ? Enfin, c'est surtout pour les zones de plaine. C'est quand même quelque chose on entend beaucoup parler de ça. L'agroforesterie, la permaculture, tous ces processus qui permettent d'avoir plusieurs espèces au même endroit et du coup d'avoir des niveaux différents de feuillage qui reçoivent la photosynthèse, a priori l'idée est bonne. Maintenant, après, effectivement, il y a sûrement des bonnes et des mauvaises manières de faire tout ça. Et puis, pour se donner bonne conscience, moi, je suis d'accord avec vous, c'est un risque.
Mais c'est déjà mieux si les gens ont besoin de se donner bonne conscience que si jamais ils s'en foutent complètement, ce qui est quand même le cas de l'immense majorité d'acteurs dans le système actuellement. Voilà, moi je suis pour toutes ces initiatives qui vont dans le bon sens, et puis si elles servent à donner bonne conscience aux gens, bah, tant mieux, c'est déjà mieux que si jamais ils continuaient à faire comme avant sans rien changer. Souvent, c'est pour donner un nombre multiple de largeur de pulvérisateur. Alors ça, ça prête à sourire. Après, voilà. Bien sûr, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit sur le fait que si vous empoisonnez tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Merci beaucoup, Monsieur Bouillon. Je pense qu'on a eu beaucoup d'éclaircissements justement sur la problématique, la dynamique, le fonctionnement. Merci à vous tous d'être venus et puis de votre participation active aussi. Pour info, c'est filmé. L'ensemble des conférences sont filmées et sont mises en ligne sur le site YouTube de la Hague. En effet, on n'a pas envie que l'information se perde, mais au contraire, on a envie de l'ouvrir au maximum. Donc, n'hésitez pas s'il y a des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés ou que ça concernerait, à leur transmettre le lien. Pour conclure, peut-être une petite introduction sur le cycle de l'année prochaine. On n'a pas encore défini exactement ce sur quoi on va parler, mais voilà, le fil rouge 2023-2024, on envisage de le faire sur la pierre, qui est un élément de notre patrimoine à la fois géologique et que l'homme s'est beaucoup attribué et a beaucoup utilisé, notamment dans la Hague. Donc on a pas mal de travaux en lien avec ce thème en ce moment à la mairie. On est en train de faire un pré-inventaire bâti de notre petit patrimoine, donc on voudrait vous le partager. On sait qu'on a beaucoup de maisons en pierre aussi. Alors aujourd'hui, on parle de rénovation thermique, donc comment on rénove nos maisons anciennes. On a envie de réfléchir un peu là-dessus. Et puis la pierre dans le patrimoine naturel aussi. Donc on va vous proposer tout un programme l'année prochaine qui se déclinera pareil par des conférences, des expositions dans les médiathèques, à l'espace au Manoir du Tour, etc. Donc on espère vous voir nombreux et que vous appréciez ce travail. Merci à tous. Est-ce que vous avez besoin que je laisse le PowerPoint sur l'ordinateur pour faire le montage de la vidéo ou pas ? Non ? Les recherches sur la radio.